We want to pray for our invitees again before we could continue. Nous voulons prier pour nos invités avant de pouvoir continuer. Please, all our invitees, stand up. Let's pray for you. Tous nos invités, mettez-vous debout. All our invitees, stand up. Tous les invités, tous ceux qui sont présents, répondent à notre invitation. This meeting is for you. Cette réunion est spécialement organisée pour vous. We want to pray for you. Nous voulons prier pour vous. That the reason you came here, afin que la raison pour laquelle vous êtes what venu brought you here, ce qui vous a amené ici, will be accomplished, que cela soit accompli, and that you will not live here, et que vous ne partiez pas d'ici, the same, la même personne. Lord, reach out to our invitees. Oh, notre Père et notre Dieu, atteins nos invités. Some of them came with burdens. Certains d'entre eux sont venus chargés de fardeaux. Burdens on their hearts. Des fardeaux sur leur cœur. Reach out to them. Touche-les, Seigneur. And take away these burdens. Et ôte ces fardeaux. Some of them came sick. Certains d'entre eux sont venus malades. We pray. Nous prions, Seigneur. They will find their healing qu'ils here. Trouvent leur guérison ici ce soir. Some of them came, oh God. Certains d'entre eux sont venus, Seigneur. Shattered. Déchirés. Shattered. Écrasés. Reach out to them. Oh Seigneur, touche-les. And heal them. Et guéris-les. Oh Father. Oh notre Père. Spirit of God divine. Esprit de Dieu vivant. Reach out to them. Touche chacun d'entre eux. And minister to them. Et rends leur ministère. During this meeting. Pendant cette réunion. In Jesus' name. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Let's give a big clap offering again to the Lord. Pour tous nos invités. Clap to the Lord. Acclamez pour le Seigneur. Please sit down. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. This meeting is specially organized for you. Cette réunion a été spécialement organisée pour vous. And it's our burden. Et c'est notre fardeau. It's our desire. C'est le désir de nos cœurs. That the Lord will reach out to you. Que le Seigneur puisse toucher chacun d'entre vous. We're going to share. Nous allons partager. From Luke chapter 4. Nous allons partager avec vous à partir de Luc chapitre 4. Gospel of Luke chapter 4. L'évangile de Luc au chapitre 4. From verse 14 to 21. Du verset 14 au verset 21. Lisez pour nous, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, verset 14, verset 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Luke chapter 4 from verse 14 to verse 21. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He taught in their synagogues, and everyone praised him. He went to Nazareth, where he was brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom, and he stood up to read.
The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him, and he began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Amen. Thank you. Merci. That was the Lord Jesus. Donc c'est là l'histoire du Seigneur Jésus. The Bible says, la Bible dit, he returned in the power of the Spirit. Il est retourné dans la puissance du Saint-Esprit. He came in the power of the Spirit. Il était venu dans la puissance de l'Esprit. And news about him spread all over. Et les nouvelles le concernant se sont répandues partout. Then he went to one of the synagogues. Et il est allé à la synagogue. One of the synagogues, dans l'une des synagogues, in Nazareth, à Nazareth, where he had been brought up, où il avait été élevé, and the Bible says, et la Bible dit, he went to the synagogue, il est allé à la synagogue, as was his custom, comme c'était dans son habitude, and the book of Isaiah was handed over to him, et le livre d'Isaïe lui a été remis, and he opened it, il l'a ouvert, he rolled it. On lui a remis le livre, il a déroulé ce livre. It was not this tiny Bible we know. C'était pas cette petite Bible que nous voyons ici. He ruled, it was long. C'était un rouleau. He ruled chapter 1. C'était un rouleau qu'il a déroulé. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapter 61. Et il est parvenu au chapitre 61. When he came to chapter 61. Et lorsqu'il est arrivé au chapitre 61, he said, "The Spirit of the Lord is upon me." Il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il m'a oint. He has anointed me. Il m'a oint. To preach good news to the poor. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. What he was reading here. Ce qu'il était en train de lire dans ce passage. In chapter 61. Au chapitre 61. Was a prophecy 700 years ago. C'était une prophétie qui avait été faite 700 ans avant. 700 years. 700 années. It was said. Cette prophétie avait été donnée. And on that day, et ce jour-là, he came. Il est venu. He opened it. Il a ouvert. He read it. Il a lu. And he said, "Today." Et il a dit, "Aujourd'hui." This word is accomplished. Cette parole de l'Écriture est accomplie. A day comes in your life. Il y a un jour qui arrive dans ta vie. When God, où Dieu, open that place. Ouvre cet endroit. Open that portion. Il ouvre cette portion. And bring to accomplishment. Et il amène à l'accomplissement. What he said about you. Ce qu'il avait dit à ton sujet. Many years ago. Plusieurs jours avant. What he planned concerning your life. Ses plans concernant ta vie. On that day, ce jour-là, 700 years ago, 700 ans avant, a word was said. Une parole avait été dite. 700 years ago, 700 ans avant, and on that day, et ce jour-là, Jesus read it. Jésus l'a lu. He read it. Il a lu. And said today. Et il a dit aujourd'hui. And said today. Il a dit aujourd'hui. He said today. Il a dit aujourd'hui. He said today. Il a dit aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. This scripture is fulfilled. Cette parole de l'Écriture est accomplie. I pray that the word of God will be fulfilled in your life. Je prie que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. I pray that the word of God. Je prie que la parole de Dieu. That it will be said of you. Qui sera dit de toi. That today. Qu'aujourd'hui. What God
God planned concerning your life, ce que Dieu avait planifié concernant ta vie, fulfilled, a été accompli. I pray for you, je prie pour toi, that it will be said, qu'il soit dit de toi, on this special day, que en ce jour spécial, this sixth day of the crusade, en ce sixième jour de la croisade, this sixth day of the crusade, en ce sixième jour de la croisade, the heaven will say, que le ciel dit, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, the plans of God for your life, plans de Dieu pour ta vie, have been fulfilled, ont été accomplis. I pray, je prie, that what was planned for you, que ce qui avait été planifié pour many years ago, plusieurs années à l'avant, many years ago, plusieurs années à l'avant, hundreds of years have passed, des centaines d'années se sont hundreds of years have passed, des centaines d'années se sont écoulées, and maybe you have become old, et peut-être tu as pris de l'âge, and you are almost dying, et tu es sur le point même de mourir, that it will be said, qu'il soit dit, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, the plans of God for your life have been fulfilled. Les plans de Dieu pour ta vie ont été accomplis. When Jesus read it, quand Jésus l'avait lu, he did nothing. Il n'a rien fait. He sat down. Il s'est assis. He sat down. Il s'est assis. And everybody was looking at him. Et tout le monde le regardait. They were waiting for him. Ils attendaient to start doing something. Qu'il commence à faire quelque chose. To start holding them. Commencer à arrêter les gens. And shaking them. Et les bouger, les secouer. They were waiting for him. Ils attendaient. He told them, il leur a dit, the word is enough. Que la parole est suffisante. When the word comes, quand la parole sort, and your heart is open, et ton cœur est ouvert, the word will accomplish for you what God planned before you were created. La parole va accomplir pour toi ce que Dieu avait planifié avant there que tu sois créé. Power in the word. Il y a la puissance dans la parole de there Dieu. There is power in the word of Il God. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. That power. Cette puissance. Enters. Entre. To create. Pour créer. That power. Cette puissance. Comes in. Entre. To correct. Pour corriger. Where your life has become distorted. Quand ta vie a été tordue, and you listen to the word, et tu écoutes la parole, and you are focused on the word, et tu es concentré sur la parole, the Bible says, la Bible dit, he sent out his word, il envoya sa parole, and he healed them, et sa parole les guérit. The word, la parole, has healing power, a la puissance de guérison. In the beginning, au commencement, he said, il a dit, let there be. Que la lumière que soit, let there be, que soit, let things happen, que les choses se produisent, by his word, par sa parole, he brought things to creation, il a amené les choses à l'existence. And this night, cette nuit, as you listen to the word, pendant que God, tu écoutes la parole de Dieu, things will be corrected in your life, les choses vont être corrigées, creation will take place in la your life, la création va se produire dans ta vie, healing will take place in la your life, la guérison va se produire dans ta vie, will take place la délivrance va se produire dans ta vie, the purposes of God for your life, les desseins de Dieu pour ta vie vont être établis, salvation will take le salut va se produire dans ta vie. Jesus read, Jésus a lu, he sat down, et il s'est assis, and he says, et il a dit, it is accomplished, c'est accompli. And what is accomplished? Et qu'est-ce qui est accompli? We are going to look at it. Nous allons le regarder maintenant. He said, il a dit, the spirit of the Lord is upon me. L'esprit de l'Éternel est sur moi. And remember, et souvenez-vous, he came back, il était revenu from the wilderness, du désert. Full of the Spirit, plein de l'esprit, rempli de l'esprit, in the power of the Spirit, dans la puissance de l'esprit. And et what did he use that power for? Qu'est-ce qu'il a utilisé cette the puissance? The Spirit of the Lord is upon me. L'esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me. Parce qu'il m'a oint to preach the good news to the poor. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. That's the first thing that the anointing of God is for. C'est la première chose à laquelle est destinée l'onction de Dieu. The good news. La bonne nouvelle. 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 All your life. Toute ta vie. All that you have been hearing. Tout ce que tu as été entendre. Have been bad news. A été de mauvaises nouvelles. This one has died. L'autre s'y est mort. This one has had an accident. L'autre a
eu un accident. This child is sick. Cet enfant-là est malade. You are about to be chased away. Tu es sur le point d'être chassé. All that you are getting is insult. Tout ce que tu entends, ce sont des There insultes. Is war here. Il y a la guerre là-bas. You have lost your job. Tu as perdu ton you have emploi. Lost your land. Tu as perdu ton terrain. Jesus brought the good news. Jésus a apporté la bonne nouvelle. And what was that good news? Et quelle était cette bonne nouvelle? That there is hope for you. Qu'il y a de l'espoir pour toi. The good news. La bonne nouvelle. That there is hope for you. C'est qu'il y a de l'espoir pour the toi. The good news. La bonne nouvelle. That you deserve to go to hell. C'est que tu méritais d'aller en enfer. Because of your sin. À cause de tes péchés. You were supposed to go to hell. Tu méritais d'aller en enfer. But. Mais someone died for you. Quelqu'un est mort pour toi. And as a result of that, et comme résultat de cela, you will go to the place where place God himself is. Et le Fils de Dieu se trouve. Where God is. Là où le Dieu est. Jesus said, Jésus a dit, I go to prepare a place for you. Je m'en vais vous préparer une place. I go to prepare a place for je you. Je m'en vais vous préparer une place. The good news says, la bonne nouvelle dit, you have sinned against God. Que tu as péché contre Dieu. And you deserve the worst of et God. Tu mérites le pire. You deserve the worst of God. Tu mérites le pire de Dieu. But God, mais Dieu, has decided a décidé to give you the best. De te donner le meilleur. That God, Dieu, has decided a décidé that He will not treat you. Qu'il ne va pas, il ne va pas te traiter according to your sin. Selon ton péché. The good news says, la bonne nouvelle dit, because of the evil you have done, qu'à cause du mal que tu as fait, you have committed evil. Tu as commis le mal. You have committed evil. Tu as commis le mal. And you ought to be paid according to the evil you have done. Et tu mérites de recevoir le salaire du mal que but tu as fait. But God so loved you. Mais que Dieu t'a tellement aimé. While you were still in your sin. Alors que tu étais encore dans Christ died for you. Christ est mort pour toi. The good news says. La bonne nouvelle dit. Christ has died for you. Que Christ est mort pour toi. Christ has died for you. Christ est mort pour toi. You deserve punishment. Tu mérites la punition. But God has decided. Mais Dieu a décidé. To give you another chance. De te donner une autre opportunité. The good news says. La bonne nouvelle dit. There is a second chance. Qu'il y a une deuxième chance. There is a second chance. Il y a une deuxième chance. You have missed all opportunities. Tu as raté toutes les opportunités. You have wasted your life. Tu as gaspillé ta vie. Wasted your life in sin. Gaspillé ta vie dans le péché. Wasted your life in immorality. Gaspillé ta vie dans l'immoralité sexuelle. Wasted all opportunities. Tu as gaspillé toutes les opportunités. But the good news says. Et la bonne nouvelle dit. God. Dieu. Is giving you another chance. Te donne une autre chance. God. Dieu. Want to give you another chance. Veut te donner une nouvelle opportunité. The good news says, la bonne nouvelle dit, because of what you have done, qu'à cause de ce que tu as fait, the enemy, l'ennemi, has decided, a décidé, to ruin your life, de ruiner ta vie. The good news la says, la bonne nouvelle dit, someone, quelqu'un, saw you, t'a vu, in your problem, dans tes problèmes, and decided, et il a décidé, to come, de venir, to rescue you, de te sauver. The good news says, la bonne nouvelle dit, God, Dieu, is giving you another chance. Te donne une nouvelle opportunité. Another chance. Une nouvelle opportunité. Another chance. Une nouvelle opportunité. Another chance. Une nouvelle opportunité. That was the anointing. Voilà ce que l'onction. The power. La puissance. To tell you. Pour te dire. The good news. La bonne nouvelle. The power. La puissance. To tell you. Pour te dire. There is hope. Qu'il y a de l'espoir. The power. La puissance. To tell you. Pour te dire. You have been hated by everybody. Que tu as été haï par tout le but monde. Someone loves you. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé. The power, la puissance, to tell you, te dit, you are bound in sin, que tu es lié dans le péché. But someone, quelqu'un, died for you, est mort pour toi, to forgive you, pour te pardonner, to forgive you, pour te pardonner, and to set you free from the power of sin, de la puissance du péché. The good news, la bonne nouvelle, that says, qui dit, your sin can be forgiven, tes péchés peuvent être pardonnés, and the good news that says, et la bonne nouvelle, you qui can dit, be delivered from sin, tu peux être délivré the du good péché. News that says. La bonne nouvelle qui dit, you can be forgiven tu peux être right now. Maintenant. And the good news that says, la bonne nouvelle qui dit, you can be delivered from the power of sin. Tu peux être délivré de la puissance du péché. For the Lord acclamons Jesus. Pour le Seigneur Jésus. À
I pray that your heart will be open. Oh, je prie que ton cœur soit ouvert. To receive that good news. Pour recevoir cette bonne nouvelle. The good news. La bonne nouvelle. Of Jesus' love for you. De l'amour de Jésus pour toi. The good news. La bonne nouvelle. Of Jesus' love for you. De l'amour de Jésus pour toi. And he says. Et il dit. To preach the good news to the poor. Pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. It's not to everyone. Ce n'est pas tout le monde. Not to everybody. Ce n'est pas tout le monde. Who are the poor? Qui sont les pauvres? The humble at heart. Ceux qui sont humbles de cœur. Not the proud people. Pas ceux qui sont orgueilleux. Who have rejected him already. Qui l'ont déjà rejeté. There was a time. Et une fois, Jesus lifted up his hand. Jésus a levé les mains. And said, Father, et il a dit, Père, I thank you. Je te remercie, je te loue. Because you have hidden the truth. Parce que tu as caché la vérité from the wise, aux sages, the prudent, aux intelligents, and you have revealed them, et tu l'as révélé to babies like this, aux pauvres comme ceci. People who see themselves as babies, ceux qui se voient comme des bébés, people who see themselves, ceux-là qui se voient, who are groaning, qui souffrent, they are groaning, ils souffrent, ils gémissent. Crying in their heart, gémissent dans leur cœur, pleurant, because of their sin, à cause de leur péché. People, les gens, who in their heart, qui dans leur cœur, are regretting, regrettent. Not people, pas les gens, who commit sin, qui commettent le péché, and they boast about it, et ils se vantent de leur péché. Not people who boast about their sin. Pas les gens qui se vantent de leur péché. Not people who commit immorality. Pas les gens qui commettent l'immoralité sexuelle. And they boast of how many women they have slept with. Ils sont fiers du nombre de femmes avec lesquelles ils ont couché. Not people who steal government money. Qui détournent l'argent du gouvernement. And they boast of how rich they are. Et ils se vantent de combien ils sont riches. Not people. Pas les gens who move around proud. Qui sont orgueilleux. Somebody said, quelqu'un a dit, he who commits sin, que celui qui commet le péché, is a man, est un homme. He said, he who repents, il dit, celui qui se repent, is a saint, est un saint. But he who boasts of sin, mais que celui qui se vante du péché, is a devil, c'est un diable. Men sin, les gens pêchent, saint repent, et saint repent, les saints se repentent. Les hommes pêchent, les saints se repentent. But the devil boasts. Mais le diable se vante. And harden his heart. Et ils endurcissent leur cœur. Jesus said. Jésus a dit. To preach the good news. Pour prêcher la bonne nouvelle. To the poor. Aux pauvres. I pray that your heart. Je prie que ton cœur. Will be converted. Soit converti. And become like that of a little child. Et devienne comme le cœur d'un tout petit enfant. Because Jesus said, parce que Jésus a dit, unless you are converted, qu'à moins que tu ne sois converti, and become like little children, et que tu deviennes comme un petit enfant, you have no place in the kingdom. Tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. And the Bible says, et la Bible dit, blessed are the poor in spirit, heureux les pauvres en esprit, for theirs is the kingdom of God. Car c'est à eux qu'est destiné le royaume de Dieu. That's what the poor is all about. C'est ça qu'on appelle les pauvres. Jesus said, Jésus a dit, the anointing of God is upon me, que l'onction de l'Éternel est sur moi, because he has anointed me, il m'a oint, to heal the brokenhearted, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To heal the brokenhearted, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Those who are shattered in their heart, ceux qui sont écrasés dans leur cœur, wounded, dans leur cœur, blessés, disappointed by life, déçus par la vie, disappointed, déçus, rejected, rejetés. And when they look at themselves, et quand ils se regardent eux-mêmes, they regret about life. Ils regrettent au sujet de la vie. Shattered. Déchirés. Who spend all their time ils crying. Passent tout leur temps à pleurer. I went to one place. Je suis allé quelque part. And I was ministering in a meeting like this. Et je rendais ministère une réunion comme celle-ci. And I asked people. Et j'ai demandé aux gens. How many people here? Combien de personnes sometimes ici? Sometimes you just find tears coming all down on your à eyes. À certains moments, tu te rends juste compte que les you find larmes coulent just de crying tes alone. Les larmes coulent just de tes yeux. Just crying tu alone. Te retrouves juste en train just de pleurer. Crying alone. De pleurer, de pleurer. More than 80% of people plus put de up their 80% hand. Des personnes ont levé la main. And many of them were men. Et plusieurs d'entre eux étaient des hommes. Shattered. Déchiré, broken, brisé, in the inside, à l'intérieur. Are you one of those? Es-tu l'un d'entre eux? Shattered, déchiré, shattered, déchiré, wounded in your heart, blessé dans ton cœur.
Jesus said, Jésus dit, he came, il est venu, to heal the brokenhearted, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. He was anointed, il a été oint, to heal the brokenhearted, pour guérir les cœurs brisés. He was anointed, il a été oint, to heal the brokenhearted, pour guérir les cœurs brisés. That's part of what salvation is. Ça fait partie de ce qu'on appelle le salut. In salvation, dans le salut, the wounded man comes to Jesus. L'homme blessé vient à Jésus. And Jesus heals your heart. Et Jésus guérit son cœur. And he heals your heart. Et il guérit son cœur. From the inside. À partir de l'intérieur. The choir was singing. La chorale chantait. He is knocking at the door. Il frappe à la porte. And that's what the Bible says. Et c'est ce que la Bible dit. He says, "Here I am." Me voici. I stand at the door and knock. Je me tiens à la porte et je frappe. If anyone hears my voice, si quelqu'un entend ma voix, and open the door, et il ouvre la porte, I will come in. J'entrerai. I will come J'entrerai. In. And I will eat with him. Et je souperai avec he lui. Comes in, il entre, to eat with you. Pour manger avec he toi. Comes to, il entre, to stay in pour you. Demeurer en he toi. Comes in, il entre, to change you from the inside. Pour te changer de l'intérieur. Are you one of those? Es-tu l'un d'entre eux? That today, qui aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, you have decided, tu as décidé, he will come in, il viendra, to heal me, pour me guérir. I went to another place. Je suis entré à un autre endroit. In one country, I was preaching. Dans un pays et je prêchais. It was a crusade like this. Il y avait une croisade comme celle-ci. And as I started preaching, comme pendant que je commençais le message, a man came forward. Un homme s'est avancé. Opened his bag. Il a ouvert son sac. And he removed his rope. Et il a sorti sa corde. He told me. Il m'a dit. I was on my way to the forest like que this. Que j'étais en route, j'étais en train d'aller à la forêt. To hang myself. Pour me pendre. I was on my way. J'étais sur le chemin. To hang myself. J'étais en train d'aller me pendre. But when I was passing. Et quand je passais. I heard people singing. J'ai entendu des gens qui chantaient. And I came. Et je suis entré. And I stood. Et je me suis tenu là. Listening. Écoutant. And I was listening. Et j'écoutais. I was listening. J'écoutais. I discovered. Et j'ai découvert. That someone loved me. Que quelqu'un m'a aimé. I thought that no one on earth loved je pensais que personne sur la because terre ne m'aimait. I have been rejected by everybody. Parce que j'ai été rejeté par tout le monde. And at last, et à la fin, at last, à la fin, I discover, j'ai enfin trouvé I am loved by Jesus. Que je suis aimé par Jésus. He took the rope. Il a sorti la corde. And gave to me. Et il m'a remis cette corde. And he told me, et il m'a dit, I will kill myself no more. Je ne vais plus me commettre de je ne vais plus me tuer. I will kill myself je ne vais plus no me tuer. Because I know. Parce que je sais I am loved by Jesus. Que Jésus m'aime. Could that be your life? Cela pourrait-il être ta vie? You may not even have a rope. Peut-être toi tu n'as même pas une corde. But you want to commit spiritual suicide. Mais tu veux commettre un suicide spirituel. You have committed spiritual suicide. Tu as commis le suicide or spirituel. Or you want to commit spiritual suicide. Ou tu veux commettre un suicide spirituel. Spiritual suicide. Le suicide spirituel. Is when you have rejected God in your life. C'est lorsque tu as rejeté Dieu de ta vie. Because when you reject God. Parce que quand tu rejettes Dieu, what else do you have? Qu'est-ce que il te manque encore? Tonight. Ce soir. Put down your rope. Fais tomber ta dans your robe. Fais tomber ta corde. Put it down. Dépose-la. Someone loves you. Il y a quelqu'un qui t'aime. Jesus loves you. Jésus 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 t'aime. Are you wounded? Est-ce que tu es blessé? Shattered. Déchiré. Jesus said. Jésus dit. The anointing of the Lord. L'onction de l'Éternel. Is upon me. Est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint. To heal the brokenhearted. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Rejected. Les rejeter. In your home. Rejeté chez toi. Rejected. Rejeté. In your family. Dans ta famille. Rejected. Rejeté. At your place of work. À ton lieu de service. Even rejected by life. Rejeté même par la vie. So when you move around. Quand tu marches. It's as if everybody is looking at you. C'est comme si tout le monde te regarde. I want you to know. Je veux que tu saches. There is someone. Il y a quelqu'un. From above. Du ciel. From above. Du ciel. Who is looking at you? Qui te regarde? To lift you up. Pour t'élever. 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 Because his son died for you. Parce que son fils est mort pour toi. He sent someone to die for you. Il a envoyé quelqu'un mourir pour toi. While you are looking at yourself. Quand tu te regardes toi-même.
and rejecting yourself. Et tu te rejettes toi-même. You know you are useless. Qui sait que tu es inutile? When he looks at you, mais quand lui regarde à toi, he knows. Il sait you are useful. Que tu es utile. Because he created you. Parce qu'il t'a créé. For a purpose. Pour un but. 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 Satan came. Satan est venu. To destroy. Pour te détruire. But Jesus came. Mais Jésus est venu. To give life. Pour donner la vie. The Bible says. La Bible dit. The thief came. Que le voleur ne vient. To kill. Que pour tuer. To steal. Pour voler and to destroy. Et pour détruire. But Jesus said, mais Jésus a dit, I came, je suis venu to give life, pour donner la vie. And life in abundance. La vie en abondance. 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 La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. And in the name of Jesus, et au nom de Jésus, we force your heart open. Nous ouvrons ton cœur. We force your heart. Nous ouvrons ton cœur. To reject the devil. Pour que tu rejettes le diable. Who came to kill you? Qui est venu pour te tuer? To steal from you. Pour voler to de toi. To destroy pour you. Pour te détruire. We command you. Et nous te commandons. To open your heart. D'ouvrir ton cœur. To receive Jesus. Pour recevoir Jésus. Who came? Qui est venu? To give you life. Pour te donner la vie. And life. Et la vie. In abundance. En abondance. Jesus said, Jésus a dit, the anointing of the Lord is upon me. L'onction de l'Éternel est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint to proclaim liberty to the captives. Pour proclamer la liberté aux captifs. Liberty to the prisoners. La liberté aux prisonniers. You are a prisoner. Tu es un prisonnier. A prisoner. Un prisonnier. A prisoner. Un prisonnier. A prisoner to alcohol. À l'alcool. A captive to alcohol. Captif de l'alcool. You cannot sleep. Tu ne peux pas vivre without taking alcohol. Sans prendre de l'alcool. You must drink. Tu dois boire. And drink. Et boire. A prisoner. Un prisonnier. To bitterness. À l'amertume. Bitterness. L'amertume. You are a prisoner. Tu es un prisonnier. To sin. Au péché. A prisoner. Un prisonnier. A prisoner. Un prisonnier. A prisoner. Un prisonnier. To immorality. À l'immoralité sexuelle. In one office in this nation. Dans un bureau dans cette nation. Where I worked. Où j'ai travaillé. I was there in 1980 something. J'étais là-bas en 1980. There was a lady. Il y avait une jeune dame. Who said? Qui a dit? She cannot sleep. Qu'elle ne peut pas dormir without sleeping with a man. Sans avoir couché avec un homme. And she herself said. Et elle-même a dit. There were moments. Qu'il y avait des moments during the break period. Pendant la pause, she left the office. Où elle quittait le bureau to go and look for a man. Pour aller chercher un homme to sleep with her. Pour coucher avec lui. To sleep with her. Pour coucher avec lui. Is that your life? Est-ce que c'est là ta vie? Maybe you don't sleep. Peut-être toi tu ne couches pas. You don't sleep with a man. Tu ne couches pas avec un homme. You don't sleep with a man. Tu ne couches pas avec un homme. Physically. Physiquement. But. Mais. Masturbation. La masturbation. You are staring yourself. Tu te masturbes toi-même. Masturbating yourself, te masturbe toi-même. Touching yourself, tu touches ton corps. Handing over yourself, et tu te to the masturbes. Devil. Tu t'offres toi-même au diable. Maybe you are online. Peut-être ta vie. You are online. Ta peur de vie. It's pornography. C'est la pornographie. Pornography. La pornographie. Pornography. Pornography. You are a slave to pornography. Esclave à la pornographie. A slave to pornography. Esclave à la pornographie. And most people don't know what pornography is. Et c'est, les gens ne savent pas ce que c'est la pornographie. From the moment, à partir du moment, you see the naked. Of a person, où tu vois la nudité d'une personne, you enter into a relationship with that person. Tu entres dans une relation avec cette personne. From the moment, dès l'instant, you see the nakedness of a person, où tu vois la nudité d'une personne, all those nakedness that you are seeing, toutes ces nudités que through tu vois, pornographie, au travers de la through pornographie, au travers through de la pornographie, au travers de la pornographie, you have entered into a covenant with them. Tu es entré dans une alliance avec and cette personne. And your life is being destroyed. Et ta vie est en train d'être détruite. Of nakedness every day. À cause de la nakedness, que tu vois the jour. Nakedness la of a person la you were not supposed to see. Que tu n'étais pas censé voir. The anointing of the Lord is on me. L'onction de l'Éternel est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint to set the prisoners free. Pour libérer les prisonniers. Prisoner to alcohol. Les prisonniers à l'alcool. Prisoner to immorality. Prisonniers de l'immoralité. Prisoner to anger. Prisonniers à la colère. You are angry. Tu es en colère. And you start beating your wife. Et tu te mets à beating your husband. Or even beating your parents. Ou battre même sur tes parents.
because you are a prisoner. Parce que tu es un prisonnier. You are a captive. Tu es un captif. You are a captive. Tu es un captif. You are a captive. Tu es un captif. Jesus said, Jésus a dit, the anointing of the Lord, l'onction de l'Éternel, is upon me. Est sur moi. Is upon me. Est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint. To set the prisoner free. Pour libérer les prisonniers. You are a prisoner to debt. Vous êtes un, tu es un prisonnier aux dettes. You must borrow. Tu dois you emprunter. Must borrow. Emprunter. You must borrow. Emprunter. You must borrow. Emprunter. You must borrow. Emprunter. By the end of the month, à la fin du mois, you have used your salary already. Tu as déjà utilisé tout ton salaire. You buy things. Tu achètes les choses. Things. Les choses. On credit. À crédit. You are a debtor. Tu es un prisonnier. Un and as a result of et that, comme résultat de cela, you cannot make progress in your finances. Tu ne peux pas faire du progrès dans tes finances. Today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, this scripture, cette parole de is l'écriture, fulfilled in your eyes, accomplie sous tes yeux. Enter into your freedom today. Entre dans your freedom ta today. Liberté aujourd'hui. And be set free. Et sois délivré. Let your finances be set free. Que tes finances soient let délivrées. Let your life be set que free. Que ta vie soit délivrée. And Jesus said, et Jésus dit, the anointing of the Lord, que l'onction de l'Éternel, is upon me, est sur moi, is upon me, est sur moi. He has anointed me, il m'a oint, for recovery of sight to the blind, pour que les aveugles recouvrent la vue. That's a category of sicknesses. C'est une catégorie de maladies. For you, pour toi, it may not be your eyes. Ça pourrait ne pas être tes yeux. For you, pour toi, it's your stomach. C'est peut-être ton ventre. You are a prisoner. Tu es un prisonnier. To sicknesses. Aux maladies. Like somebody said. Comme quelqu'un a dit. That he is a basket of diseases. Il a dit qu'il est un sac de maladies. He told me. Il m'a dit. When this one goes, quand celle-ci this part, one comes. L'autre s'y en. You have problem with your head. Tu as les problèmes avec la problem tête. With your back. Avec le dos. Problem with your leg. Avec les pieds. Problem with your teeth. Avec tes problem dents. With this. Avec problem ici. With your hand. Ici. Avec la main. Problem with your mind. Problème avec tes ton corps. You are a basket of diseases. Tu es un sac de maladies. Problem with your eyes. Des problèmes avec problem tes yeux. Problem with your ears. Problème avec tes oreilles. Problem, 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 problem. Problem, 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 problem. He anointed me. Il m'a oint. So that the eyes afin que les yeux of the blind may des aveugles recouvrent la vue. So that afin the, the sicknesses les in your maladies life dans ton may corps disappear. Disparaissent. What are we talking about? De quoi parlons-nous? We are talking about nous parlons de complete salvation. Le salut complet. In complete salvation, dans le salut complet, he forgives us of all our sins. Il nous pardonne tous nos péchés. He forgives all our sins. Il pardonne tous nos péchés. All, 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 all. And heal all our diseases. Et il guérit toutes nos maladies. And the diseases et les maladies may be physical. Pourraient être physiques. And the diseases les maladies may be spiritual. Pourraient être spirituelles. One of the spiritual diseases. L'une des maladies spirituelles is your resistance of the gospel. C'est ta résistance à l'évangile. And that's the worst curse that can ever happen. Et ça c'est la pire des malédictions qui puisse arriver à quelqu'un. The worst curse. La pire des malédictions that can ever come upon a man. Qui puisse arriver à un homme is when you resist the gospel. C'est quand tu résistes à l'évangile. Because in resisting parce the gospel, parce qu'en résistant à l'évangile, you resist. Tu résistes God's solution to humanity. À la solution de Dieu pour l'humanité. That is the Lord Jesus Christ. Qui est le Seigneur Jésus Christ. And there are some people. Et il y a des personnes. The entire family, la famille tout entière, nobody has believed in that. Personne dans cette famille n'a cru. And you may be here like that. Et vous pourrez être assis ici. Because God, parce que Dieu, want to open the door, veut ouvrir la porte, of salvation, du salut, to your family, dans ta famille, 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 so that Jesus, afin que Jésus, we come into your family, puisse entrer dans ta famille, and begin to put things right in your family, et commence à régler les choses, mettre les choses en ordre dans ta famille. The anointing of the Lord, l'onction de l'Éternel. Is upon me. Est sur moi. And today, et ce soir, today as you listen soir, to his pendant word, que tu écoutes sa parole, and he says, il dit, and to set at liberty those who are oppressed, pour renvoyer libres les opprimés. Those who are oppressed. Ceux qui sont opprimés. Are you one of those oppressed? Es-tu l'un de ceux-là qui sont opprimés? You sleep. Tu dors. Things are pressing you. Les choses t'oppressent. You sleep. Tu dors. You talk in your sleep. Tu parles dans ton sommeil. You sleep. Tu dors. And when they ask you, et quand te demande, what is the problem? Qu'est-ce qui ne va pas? You don't even know. Tu ne sais même pas ce qui se passe. You sleep. Tu dors. You wake up tired. Tu te réveilles fatigué. You sleep. Tu dors. You have been used sexually. Et on abuse de toi sexuellement. You sleep. Tu dors. People rest. Les gens se reposent. But you wake up more tired. Mais toi, tu te you réveilles plus fatigué. Tu es oppressé.
oppressed in your sleep. Oppressé dans ton sommeil. In your environment. Dans ton environnement. You are oppressed. Tu es oppressé. Everybody speaks. Tout le monde parle. People listen. Les gens écoutent. Immediately you start speaking. Mais toi, dès que tu commences à parler, stop it. Les gens disent arrête. Stop it. Arrête ça. Do you also have something toi, to si say? Toi, si tu veux dire quelque chose. That's who you are, what your life is. Voilà tout ce que ta vie ressemble. In your home. Chez toi. Your husband. Ton mari. Listen to the children. Il écoute les enfants. But he cannot listen to mais you. Il ne peut pas t'écouter. Because you are oppressed. Parce que tu es oppressé. Oppressed. Oppressé. Oppressé. Today, aujourd'hui, you can be set free. Tu peux être libéré. You can be set free. Tu peux être libéré. You can be set free. Tu peux être libéré. You can be set free. Tu peux être libéré. The last thing Jesus said there. La dernière chose que Jésus a dit là. To proclaim. Pour publier. Please come and read for us verse 19. Venez lire pour nous le verset 19. Venez. We will soon pray. Nous allons bientôt prier. Read verse 19. Lisez le verset 19. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Yeah, read that last. Juste that, le verset 19. Juste le verset 19. That last dernier. Sentence. Okay. Verse 19. To proclaim the year of the Lord's favor. It is to proclaim. Pour publier. The year. L'année. Of the Lord's favor. De la faveur de l'Éternel. The year. L'année. Of the Lord's favor. De la faveur de l'Éternel. It's called the year of liberty. Ça s'appelle l'année de liberté. The year of jubilee. L'année du jubilé. The year of God's grace. L'année de la grâce de Dieu. Jesus said. Jésus a dit. He was anointed. Qu'il a été oué. To proclaim. Pour publier. The year of the Lord's favor. L'année de la faveur de l'Éternel. All that you have known in your life. Tout ce que tu as connu dans ta vie. Has been rejection, 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 le rejet, rejection, le rejet, le rejet, le rejet. And suddenly. Et puis soudainement. The Lord says, listen. Le Seigneur dit, écoute. Today. Aujourd'hui. Is the year of your jubilee. C'est le jour de ton jubilé. The year. C'est le jour. Of my favor for de you. De ma faveur pour toi. The year. Le jour. Of my grace for you. De ma grâce pour toi. What was the year of jubilee? Qu'est-ce qu'était le jour du jubilé? The year of jubilee. L'année du jubilé. L'année du jubilé. Was the year. Était l'année. When every slave was set free. Où tous les esclaves étaient libérés. If you were a slave. Si tu étais un esclave. In Israel. En Israël. You had sold yourself. Tu t'étais vendu toi-même. To slavery. À l'esclavage. On the year of jubilee. Le jour du jubilé. You were set free. Tu étais libéré. You did not pay money to be tu set free. Tu n'avais pas besoin de payer de l'argent. You were set free. Tu étais libre. You were set free. Tu étais libre. Today. Aujourd'hui. Is the day of your freedom. C'est le jour de ta libération. Say today is the day of my freedom. Si ce soir, c'est la soirée say de ma libération. Say today is the day of my freedom. Ce soir, c'est la soirée de ma libération. Say today. Si aujourd'hui. Is the day of God's favor for my life. C'est le jour de la faveur de Dieu sur ma vie. The year of God's blessing. Le blessing, jour blessing, de la bénédiction blessing. De Dieu. La bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. A day comes in your life. Il arrive un jour dans ta vie. When the favor of God begins to operate in où your life. Où la faveur de Dieu commence à opérer dans ta vie. But before. Mais avant cela. You were disfavored. Tu étais dans la défaveur. Cast. Your life blocked. Méprisé. Ta vie bloquée. Cast. Maudit, 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 cast. Maudit, cast. Maudit. And suddenly. Et puis soudainement. The heaven opens. Les cieux s'ouvrent. For blessing to come upon your life. Et les bénédictions commencent à descendre dans and, ta vie. And suddenly, et soudainement, the heaven opens. Les cieux s'ouvrent. The heaven opens. Les cieux s'ouvrent. The heaven opens. Les cieux s'ouvrent. And I wanted to know. Et je voudrais que tu saches. That what salvation is. Que c'est ça le salut. For salvation. Pour que le salut ait lieu. The heavens open. Les cieux s'ouvrent. And the blood of Jesus. Et le sang de Jésus. Washes away all your sins. Efface tous tes péchés. In salvation. Dans le salut. The heavens open, les cieux s'ouvrent, and the power of God et la puissance de Dieu begin to work in your life. Commence à opérer dans ta vie. In salvation, dans le salut, the heaven open, les cieux s'ouvrent, and the blessing of God et les bénédictions de Dieu sont déversées upon your life sur ta vie because of Jesus. À cause de Jésus. In salvation, dans le salut, a new day begins. Un nouveau jour se lève. The year of God's favor. L'année de la faveur de Dieu. Was the year. C'était l'année. When every debt was cancelled. Où toutes les dettes étaient annulées.
every debt. Toutes les dettes. If you were a debtor, si tu étais endetté, all your debts were canceled. Toutes tes dettes étaient annulées. Today, aujourd'hui, God will cancel all your debts. Dieu va annuler toutes tes dettes. Today, aujourd'hui, all those sins, tous ces péchés, that have accumulated against you, qui se sont accumulés contre toi. Accumulated against accumulé contre toi. Accumulated against accumulé contre you toi. Have committed, tu as commis, and committed, et commis, and committed, et commis, and committed, et commis, and committed, et commis, and committed, and committed, et commis, and committed, et commis encore. Until you ask yourself, jusqu'à ce que tu te demandes toi-même. So that when you sit down, quand tu t'assois là, if they were to ask you, si on devait te demander, how many men you have slept with, avec combien d'hommes est-ce que tu as couché? As you are breaking those bondages in your life, pendant que tu, you write and write and write and write, and the whole book is filled. Et tout ton cahier est plein. And you ask yourself, et tu te demandes, am I the one? C'est moi qui ai couché avec slept with more than 200 men. C'est moi qui ai couché avec plus de 200 hommes. Who has slept with more than 200 women? C'est moi qui ai couché avec plus de 200 femmes. Today, aujourd'hui, is a day. C'est le jour. God will cancel all those names. Annuler God will cancel all those sins. Il va annuler tous ses péchés. He cancel them. Il va les annuler tous. He cancel them. Il va les annuler He tous. He cancel Il your va debts. Les annuler, annuler toutes tes dettes. The year of Jubilee. L'année du jubilé was the year. C'était l'année when you went back to your land. Où tu retournais à ta terre. If your land had been taken. Si ta terre you avait été sold your land. Si tu avais vendu ta terre, tes terres. On that year. Cette année-là, and there are people here. Il y a des gens because of the enemy. À cause de l'ennemi. Because of your sin. À cause de tes péchés. You sold your ability. Tu as vendu tes capacités. To be economically viable. Pour être économiquement viable. So that you are just failure. De telle manière que ta vie c'est l'échec. Today, aujourd'hui, is the year of your jubilee. C'est le jour de ton jubilé. Year of your jubilee. C'est le jour the de ton jubilé. Jubilee. C'est le jour de ton the jubilé. Day of your freedom. Le jour de ta libération. How does that take place? Comment est-ce que cela se produit? You must know. Tu dois savoir. You sold yourself to que the tu enemy. T'es vendu au diable. You are the one who sold yourself to the enemy. C'est toi-même qui t'es vendu à l'ennemi. You are the one who sold yourself to the enemy. C'est toi-même qui t'es vendu à l'ennemi. By your sin. Par tes péchés. By your sin. Par tes péchés. By your sin. Par tes péchés. Because sin. Parce que le péché. Makes you a slave. Fait de toi un esclave. Sin. Le péché. Makes you a captive. Fait de toi un captif. Sin. Le péché. Fait de toi un prisonnier. A day comes in your life. Il arrive un jour dans ta when you say enough is enough. Où on dit trop c'est trop. A day comes in your life. Un jour vient dans ta vie. When you say I don't want to be Satan's prisoner again. Où tu dis je ne veux plus demeurer prisonnier. A day comes in your life. Un jour vient dans ta vie. When you turn. Où tu dis and say Jesus. Tu dis Jésus. Satan is using all this against Satan me. Satan utilise tout ça contre moi. But today. Mais ce soir. I turn to you. Je me tourne vers toi. For forgiveness. Pour que tu me pardonnes. And I repent. Je me repens. I repent. Je me repens. I repent. Je me repens. I abandon my sin. J'abandonne tous mes péchés. And I put my faith. Et je mets ma foi in what you have done. En ce que toi tu as fait. You did it. Tu l'as fait. You did it. Tu l'as fait. You did it. Tu l'as fait. Today. Aujourd'hui. Will you turn to the Lord? Vas-tu dire au Seigneur? And say, Lord. Et dis, Seigneur. I am sorry. Je regrette. For all my wickedness. Pour toute ma méchanceté. But today. Mais aujourd'hui. I turn to you. Je me tourne vers toi. I give my life to you. Je te donne ma vie. Today. Aujourd'hui. I start a new beginning. Je commence with you. Un nouveau commencement avec toi. Come and read one last verse, and we shall Venez pray. Venez lire le dernier verset et nous allons prier. Read Proverbs chapter 28 verse 1. Lisez Proverbes chapitre 28 verset 1. Proverbes chapitre 28 verset 1.
Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Proverbs chapter 28 verse 1. The wicked man flees though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Amen. Read again in English. Lis encore. Okay. The wicked man flees though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Amen. Amen. Don't go yet. Ne descendez pas. The wicked man runs away. Le méchant s'enfuit. When no one is pursuing him. Alors que sans que personne le poursuive. The wicked man runs away. Le méchant s'enfuit. But mais the righteous man. Le juste. Is as bold as a lion. Il a de l'assurance comme un jeune lion. May you become the righteous of God today. Puisses-tu devenir le juste de Dieu aujourd'hui. And how does that take place? Et comment est-ce que cela se produit? Read verse 13. Lis le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbs chapter 28 verse 13. He who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. That's what we want to do now. C'est ce que nous voulons faire maintenant. He who covers his sin, celui qui cache ses transgressions, cannot prosper. Il ne prospère point. But anybody, mais toute personne, who confesses, qui confesse, who abandons, qui abandonne, will find the mercies of God. Il trouvera la miséricorde de Dieu. Today, aujourd'hui, at this moment, à cet instant, is a moment for you. C'est le moment pour toi. To open your sin, pour que tu ouvres tes péchés. Let the Lord forgive you. Pour que le Seigneur te pardonne. Is a moment for you. C'est le moment pour toi. To tell the Lord, de dire au Seigneur, this is what my life is. Voici à quoi ressemble ma vie. But, mais, you died for me. Tu es mort pour moi. You died for me. Tu es mort pour moi. Your blood is there for me. Ton sang est là pour moi. I confess my sin to you. Je confesse mes péchés à toi. And I abandon my sin. Et je les abandonne. I confess my sin to you. Je te confesse mes péchés. And I abandon my sin. Et je les abandonne. So that you wipe away all my sin. Afin que tu effaces tous mes péchés. The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus said. A dit. The anointing of the Lord. Loin de l'Éternel, l'onction de l'Éternel is upon me. Est sur moi. He has anointed me. Il m'a oint. To preach the good news. Pour prêcher la bonne nouvelle. To those who are not proud. À ceux qui ne sont pas orgueilleux. To those who are not proud. À ceux qui ne sont pas orgueilleux. To those who are not proud. À ceux qui ne sont pas orgueilleux. These are the poor. Voilà les pauvres. To those, à ceux-là, who are not proud, qui ne sont pas pauvres, who are not proud, orgueilleux, qui ne sont pas orgueilleux, who tell God, qui diront à Dieu, God, oh Dieu, I am sorry, je suis désolé. Jesus died for me, Jésus est mort pour moi, and right now, et maintenant même, I tell you my sin, je te dis tous mes péchés, and I ask you, et je te supplie, to forgive you my de me pardonner tous mes péchés. Right now, maintenant, I come to you, je viens à toi, you were anointed, tu as été oint. To preach good news to me. Vous me prêchez la bonne nouvelle. I receive it. Je la reçois. You were anointed. Tu étais oint. To set me free. Pour me libérer. I come to you. Je viens à toi. You were anointed. Tu étais oint. To heal my heart. Pour guérir mon cœur. I come to you. Me voici. You were anointed. Tu étais oint. To break Satan power over my life. Pour briser la puissance de Satan sur ma vie. I come to you. Je suis à toi. And now. Maintenant, I beg you, je te supplie, to receive me, de me recevoir, to receive me, de me recevoir. That's what we want to pray for. C'est la prière que nous voulons faire maintenant. Hosea chapter 6, Ésaïe chapitre 6, verse 1 says, verset 1 dit, come, venez, let's return to the Lord. Retournons à l'Éternel. He has wounded us. Il nous a blessés. He will heal us. Mais il nous guérira. Come. Venez, let's return to the retournons Lord. À l'Éternel. If right now, si ici et maintenant, listen. Écoute, Jesus read those words. Jésus a lu ces paroles. And sat down. Et il s'est assis. What was he saying? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? The word is enough for you. La parole te suffit. The man who received the word. Celui qui a reçu la parole. And said. Et qui a dit? It is my word. C'est ma parole. You open the door. Il ouvre la porte. For God. Pour que Dieu. To take over. Prenne la relève. And do what only him can do in your life. Et fasse ce que uniquement lui seul peut faire dans ta vie. It is with his word. C'est avec sa parole. He cried. Qu'il crie. Right, he creates. Qu'il crée. Yeah.
With his word, he creates. Avec sa parole, he il crée. His word comes to you. Sa parole vient and à toi. Changes and et elle change. Et elle crée dans ta vie. And Jesus. Et Jésus. Is the word of God. C'est la parole de Dieu. Is the word of God. Et la parole de Dieu. If you want to come to Jesus right si now, tu veux venir à Jésus maintenant même, you are telling Jesus, tu es en train de dire à Jésus, this word is for me, cette parole est à moi, and pour moi. Right now, et maintenant même, I am one of the poor. Je suis l'un des pauvres. I am one of the poor. Je suis l'un des pauvres. I don't harden my heart. Je n'endurcis pas mon cœur. And I will not cover my sin. Et je ne vais pas cacher mes péchés. I come to you. Je viens à toi. I come to you. Je viens à toi. And I receive the good news. Et je reçois la bonne nouvelle. I come to you. Je viens à toi. For forgiveness. Pour être pardonné. I come to you. Je viens à toi. For salvation. Pour être sauvé. Put up your hand. Lève la main. Where you are. Là où tu te trouves. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. You are telling Jesus. Vous êtes en train de dire à Jésus. Right now. Ici et maintenant. I come to you. Je viens à toi. Put up your hand very well. Lève la main très haut. Right now. I receive your word. Tu dis Seigneur, je reçois ta parole. Right now, ici et maintenant, I am one of the poor. Je suis l'un des pauvres. I have received your word. Je reçois ta parole. Your good news. Ta bonne Please nouvelle. Stand up where you are. Mettez-vous debout là où vous for êtes. For prayer, come and be prayed for. Come. Avancez, God bless nous you. Ensemble. Let's clap to the Lord. Acclamez le Seigneur come, pendant qu'il vient. Rapidly. Mettez-vous debout, God venez. Bless you. Come. Venez, nous allons prier ensemble. All of you were putting up your hand. Vous tous qui avez levé les mains, rapidement. Venez rapidement, venez rapidement. Come to Jesus. Venez à Jésus. Come to the Savior. Venez au Sauveur. Come. Venez. Come. Venez. Come. Venez. Come. Venez. Telling the Lord. Disant au Seigneur. I received the good news. J'ai reçu la bonne nouvelle. Yes, that's good. Yeah. Anointed to preach the good news. Ouais, pour prêcher la bonne nouvelle. And you have received the good news. Et tu as reçu la bonne nouvelle. You have received the good news. Tu as reçu la bonne nouvelle. Respond to the good news. Réponds à cette bonne nouvelle. Respond to the good news. Réponds à la bonne nouvelle. Come to him. Come to viens him. À lui, viens. Let's clap to the Lord. Acclamons clap le to the Lord as they come. Clap 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 to the Lord. You of them, come rapidly. Vous qui êtes là-bas, oh, descendez, venez. Come to the Lord. Come to the Lord. Come to the Lord. Venez. Anointed, ouais. Anointed, ouais. For your salvation. Pour ton salut. Anointed, ouais. To heal pour guérir your broken heart. Ton cœur brisé. Anointed, ouais. So that you the captive. Afin que toi qui es captif. You the captive. Toi qui es captif. Will be set free. Tu sois libéré. Come. Venez, venez. Please, venez. There are many sitting. Venez, don't, venez. Don't waste time. Il y a plusieurs qui sont encore assis. Levez-vous, vous venez. When Jesus read it in the temple, in the synagogue, l'a lu dans la synagogue. He sat down. Il s'est assis. And he said, today. Et il a dit aujourd'hui. This word is fulfilled. La parole est accomplie. He sat down. Il a dit. And said nothing et again. Il n'a plus rien dit. Let it be that today. Qu'il soit dit aujourd'hui. Today, this word is accomplished. Cette parole let est this word be accomplished in et your que life. Cette parole soit accomplie dans ta vie. Let the plans of God for your life que les plans de Dieu pour ta vie be fulfilled today. Soit accompli aujourd'hui. Come rapidement. Venez, viens rapidement. Today. Aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, this word is fulfilled. Cette parole est accomplie. Today, aujourd'hui, today, aujourd'hui, is the day of your salvation. C'est le jour de ton salut. Today, aujourd'hui, is the day to open your heart. C'est le jour pour que tu ouvres ton cœur. Let him walk in your life. Qu'il œuvre dans ta vie. Let's clap to the Lord as they come. Acclamons le Seigneur pendant let's clap to the Lord. Acclamons there is joy in heaven joie when one sinner comes to him. Quand un pécheur vient please à lui. Stand up and come. Come. Today is the day of your salvation. C'est le jour de votre today. You have received the good news. Vous avez reçu la bonne and that good news is et cette bonne nouvelle, Jesus paid the price. C'est que Jésus a payé le Jesus prix. Paid the price. Jésus a payé le prix. Jesus paid the price. Jésus a payé le prix. God bless you as you come. Que Dieu vous bénisse pendant que vous venez. Que Dieu vous bénisse pendant que vous venez. Please come. Venez. There are still many sitting down. Il y a encore plusieurs qui sont assis. When Jesus read the word, quand Jésus a lu cette parole, he sat down. Il s'est assis. And he said today. Il a dit aujourd'hui. This word, this prophecy is accomplished. Cette prophétie est accomplie. When the word comes, quand la parole vient, and it is received, et qu'elle est reçue, the plans of God is accomplished in your life. Les plans de Dieu sont accomplis dans ta vie.
Don't wait for us to be calling you. N'attendez pas qu'on passe le temps à vous appeler. Don't wait for us to be calling. N'attendez pas qu'on continue à appeler. Today. Aujourd'hui. God wants to accomplish his word in your life. Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie. Today. Aujourd'hui. Today, today, today. Aujourd'hui, aujourd'hui. And in the name of Jesus Christ. Et au nom de Jésus Christ. We free you from the hand of the enemy. Nous te libérons de la main de l'ennemi. In the name of the Lord Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. We free you from the hand of the enemy. Nous te libérons de la main de l'ennemi. And we release you. Et nous te libérons. To come to your Savior. Pour que tu viennes à ton Sauveur. We release you. Nous te libérons. To come to your Savior. Pour que tu viennes à ton Sauveur. We release you. Nous te libérons. To come to your Savior. Pour que tu viennes à ton Sauveur. We release you. Nous te libérons. To accept this good news. Pour que tu acceptes cette bonne nouvelle. For a new beginning in your life. Pour un nouveau commencement dans ta vie. Please come. Venez. If you are a believer, lift up your hand. Si tu es un croyant, lève la main. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. We tear the veil. Nous déchirons le voile. We tear the veil. Nous déchirons le voile. We tear the veil. Nous déchirons le voile. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus Christ. We release anyone here. Nous libérons toute personne ici. That the enemy. Que l'ennemi. Want to keep captive. Veut garder captif. We release them. Nous les libérons. To turn to the Savior. Pour qu'ils viennent au Sauveur. Please stand up and come. Lève-toi et viens, s'il te plaît. Stand up and come. Lève-toi et viens. There are still a number of people. Il y a encore plusieurs personnes. There are still a number of people. Il y a encore plusieurs personnes. We can stop. On pourrait s'arrêter là. But you will miss the opportunity. Mais tu auras raté l'opportunité. For a new beginning. Pour un nouveau commencement. You will miss the opportunity. Tu auras raté l'opportunité. For forgiveness. Pour le pardon. You will miss the opportunity. Tu auras raté l'opportunité. If we stop now, si nous nous arrêtons maintenant, you will be the loser. C'est toi qui seras le perdant. You will be the loser. C'est toi qui seras le perdant. The enemy will continue to control your life. L'ennemi va continuer à contrôler ta vie. If we stop now, si nous nous arrêtons maintenant, if we stop now, si nous nous arrêtons maintenant, you are the loser. C'est toi le perdant. Not God. Ce n'est pas Dieu qui est perdant. Not even these people here. Même pas ces gens qui sont assis ici. Come. Viens. Come to the Lord. Viens, viens au Seigneur. If we stop now, si nous nous arrêtons maintenant, the enemy, the devil will be very happy. L'ennemi sera très content pour toi. Because he will be waiting for you at home. Parce qu'il va t'attendre à la maison. He will be waiting for you at home. Il va t'attendre à la maison. Please come. Viens, s'il te plaît. He will be waiting for you at home. Il va t'attendre à la maison. Because he wants to keep your family. Parce qu'il veut maintenir ta famille. Captive. Captive. He wants to stay in your family. Il veut demeurer dans ta famille. He wants to stay in your family. Il veut demeurer dans ta famille. And destroy your family. Et détruire ta famille. You may be the one open door. Tu pourrais être la porte ouverte. Through which Jesus will come in. Au travers de laquelle Jésus va entrer. Please come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. There are still some people. Il y a encore des personnes. There are still some people. Il y a encore des personnes. Because we don't have much time. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Don't miss this opportunity. Ne rate pas cette opportunité. Don't miss this opportunity. Ne rate pas cette opportunité. Don't miss this opportunity. Ne rate pas cette opportunité. You have been here the first day, the second day, the third day, the fourth day. Tu étais ici le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Why are you giving chance to the devil? Pourquoi est-ce que tu donnes cette opportunité au diable? This crusade will soon end. Cette croisade va bientôt s'achever. You would have missed the opportunity. Tu aurais raté l'opportunité. For a new beginning. Pour un nouveau commencement. Come. Viens. Please come. S'il te plaît, viens. If you are a backslider, si tu es un rétrograde, if you are a backslider, oui, si tu es un rétrograde, and there are many backsliders, et il y a plusieurs rétrogrades ici. They know it. Ils le savent.
You have abandoned God. Tu as abandonné Dieu. Please stand up and come. S'il te plaît, lève-toi et viens. Come back to your God. Reviens à ton Dieu. Be restored to your God. Sois restauré à ton Dieu. There are a number of backsliders here. Il y a plusieurs rétrogrades. Come rapidly and be restored. Venez rapidement pour être restauré. You know it. You know vous it. Le savez, toi-même please tu le come sais. And be restored. Tu le fais. Viens pour être come restauré. And be restored. Viens pour être restauré. Come and be restored. Viens pour être restauré. Please come rapidly. Viens rapidement. You are a backslider. S'il te plaît, viens rapidement. You gave your life to Jesus. Tu as rétrogradé. Tu avais donné ta vie à Jésus il y a quelques temps. And you abandoned God. Et tu as abandonné Dieu. You abandoned God. Tu as abandonné Dieu. And because of that, et à cause de cela, the devil is tormenting you. Le diable est en train de te tourmenter. Please come. Viens. Like the prodigal son, comme le fils prodigue, come back to your father. Reviens à ton père. He will accept you. Il va t'accepter. Like the prodigal son, comme le fils prodigue, please just come rapidly. Viens rapidement, s'il te plaît. The Bible says, la Bible dit, he came to his senses. Il est revenu à ses, he à son came bon to sens. His senses. Il est revenu à son bon sens. And he said, I will go back to my father. Et il a dit, je retournerai à mon père. There are many backsliders here. Il y a plusieurs rétrogrades ici. You have been jumping from one church to the tu other. Tu as été abondi d'une église à une autre. Jumping from one church to passant the other. D'une église à une autre, but the problem is, mais le problème c'est que you have broken relationship with God. Le problème c'est au niveau de ta relation brisée avec Dieu. In the next 2 minutes, we dans shall les deux stop. Prochaines minutes, nous allons arrêter. But you will be the one regretting. Mais ce sera toi qui vas regretter. Please stand up, s'il te plaît, lève-toi and come to the Lord. Et viens au Seigneur. There's somebody from up there who must come down. Il y a quelqu'un là-bas en haut qui doit descendre. Don't be afraid, just come. N'aie pas peur, descends les escaliers et viens. We give you one more chance. On te donne une nouvelle opportunité. Please come to the Lord. S'il te plaît, viens au Seigneur. Come, viens and respond to this good news. Et réponds à cette bonne nouvelle. This is a very serious day for you. C'est un jour très sérieux pour vous. Very serious day for you. Un jour très sérieux pour chacun d'entre vous. Just take 1 minute. Prends juste une minute. In your heart, dans ton cœur, tell the Lord. Dis au Seigneur, Lord, I have come to you. Seigneur, je suis venu à toi. It is to you I am coming. C'est à toi que je suis venu. It is to you I am coming. C'est à toi que je suis venu. This night I come to you. Cette nuit je suis venu à toi. I come to you. Je viens à toi. I come to you. Je viens à toi. I come to you. Je viens à toi. This night I come cette nuit to you. Je viens à toi. I believe your word. Je crois ta parole. And I accept your et je word. L'accepte. Lift up your right hand. Lève la main droite. Everybody, all of you, lift up your right tout hand. Tout le monde, levez la main droite. Say, Lord, I come to you. Dis à haute voix, Seigneur, je viens à toi. À haute voix, tout le monde. Seigneur, je viens à toi. I have accepted your word. J'ai accepté ta parole. I beg you to accept me. Je te supplie de m'accepter. I am ready to abandon all my sin to follow you. Je suis prêt à abandonner tous mes péchés pour te suivre. Let them say that again. Let them say it again. Je suis prêt à abandonner tous mes péchés pour te suivre. I beg you to accept me. Je te supplie de m'accepter. And wash me with your blood. Et de me laver avec ton sang. Give me a new beginning. Oh Seigneur, donne-moi un nouveau commencement. I want to follow you. Je veux te suivre. Accept me, Lord. Accepte-moi, Seigneur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Let's clap to the Lord. Acclamons pour le Seigneur. Somebody will just talk briefly with you. Donc, quelqu'un va te prendre et parler
brièvement avec toi. Then after that, après cela, you will come and we shall pray to break all the power of the enemy over your life. Nous allons prier ensemble pour briser toutes les puissances de l'ennemi dans ta vie. People here will be waiting as you go. Vous allez descendre. Nous avons un hall en bas. Vous allez tous descendre là-bas. Quelqu'un va s'entretenir avec vous dans ce hall pour quelques minutes. Après cela, vous allez revenir ici dans la salle et nous allons prier pour briser les puissances de l'ennemi dans vos vies. Ok, please. Donc, vous allez suivre le pasteur. Vous allez suivre le pasteur là devant vous. Il va avec vous pour quelques minutes. Prenez vos effets, s'il vous plaît. Prenez, si vous avez un sac, si vous avez... prenez, vous descendez, vous allez revenir prendre votre place après ce moment. Les conseillers, ceux qui les ont invités, s'il vous plaît, suivez-les dans le hall d'en bas. Prenez vos sacs, s'il vous plaît. Prenez vos sacs, prenez vos effets. Il ne faut pas que tu descends, tu reviens, tu ne trouves plus ton téléphone ou ton sac avec ton téléphone. Récupère tes effets, descendez avec. Vous avez quelques minutes là-bas. Ensuite, vous allez revenir dans la salle et nous allons prier ensemble. Thank you. The Bible said there is joy in heaven over one sinner who believes. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui croit. There should also be joy on earth. Alors il doit également avoir de la joie en nous. On earth. So like. Et il doit également avoir de la joie sur la terre. Now I want us to clap to the Lord. Donc j'aimerais que nous acclamions pour le Seigneur. Each of these people have believed. Pour chacun de ceux qui a cru. N'enlevons-nous et acclamons pour le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons et poussons des cris de joie au Seigneur. Poussons des cris de joie au Seigneur. Poussons des cris de joie. Alléluia. If you gave your life to the Lord Jesus, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, the first day, le premier jour, the second day, le deuxième jour, third day, le troisième fourth jour, day, le quatrième jour, up till yesterday, ou alors jusqu'au cinquième jour hier, and you are in the hall, put your hand. Et tu es dans la salle, lève la main. You gave your life to Jesus. Tu as donné ta vie à Jésus. The first five days. Les cinq premiers jours. Please stand up. Let's s'il thank God for you. Lève-toi et nous allons remercier le Seigneur all pour toi. All of you gave your life tous to ceux Jesus qui ont donné leur vie à Jésus. These first five days. Pendant les cinq premiers jours de cette croisade. The first five days. Les cinq premiers jours de cette croisade. Mettez-vous debout. Stand up. Stand up. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Nous allons remercier le Seigneur pour vous. We want to thank God for you. On veut remercier le Seigneur pour vous. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur depuis le début de la croisade. Since we start, since the crusade started. Depuis le début de la croisade. Mettez-vous debout, mettez-vous debout, mettez-vous debout. On va remercier le Seigneur pour chacun d'entre vous. Is there still anybody sitting? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est assis? Since we started the crusade, depuis que nous avons commencé cette croisade le premier jour. You gave your life to Jesus. Tu as donné ta vie à Jésus. And you are still sitting there. Stand. Et tu es encore là, tu es encore là. And you are still sitting down. Et si tu es encore, tu es encore, tu as stand, assis stand, ici. Stand. Mets-toi debout, si tu es encore assis.
Before they sit down, avant qu'ils ne s'asseyent, everybody lift up your hand and say, Lord, we thank you. Que tout le monde lève la main et dise, Seigneur, nous te remercions. Oh, Seigneur, nous te remercions. 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 Is there any of you standing up? Parmi vous qui êtes debout, that you want to come and in 1 minute. Testify of what God has done in your life. Parmi ceux d'entre vous qui est debout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir rendre give a testimony of what has happened in your life already? Témoignage en une minute de ce que Dieu a fait dans ta vie. If you are like that, come. Si tu veux le faire, viens. Si parmi vous il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie en une minute, viens. Yes. Oui. Among you people who believed, parmi vous qui avez cru, there is power in testifying. Il y a de la puissance dans le témoignage. It settles you. Parmi ceux qui ont cru. Je me nomme Sombe Louise et veuve d'Ibumamayo Louise. Je vais vous donner brièvement mon témoignage. J'ai fait l'accident le 2021. En allant au village à PK29, nous sommes tombés dans la récolte. La voiture était pleine. C'était une petite voiture, en tout cas, la famille. Et c'est moi qui étais la maman dans la voiture et j'ai eu cette fracture, la fracture de la cuisse droite. Ils sont venus au secours de nous, les villageois. Après, ils ont appelé la famille la famille est venue nous porter secours pour nous amener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait des visites avec le traumatologue qu'on m'a donné. Il m'a donné rendez-vous pour une opération, une intervention. Il a fait l'intervention, il m'a mis le fer et le fer s'est mis à me donner les infections. Et j'ai eu 7 à 8 infections. Qui a touché l'os? Je voudrais arriver là. J'ai commencé la croisade mardi. J'ai été invitée par un frère et c'est depuis la croisade, bon, avant la croisade, parce que j'ai déjà eu 4 interventions sur le même pied et sur la même cicatrice. 5e, on devait m'opérer encore pour la 5e opération, intervention. Parce que quand tu vois mon traumatologue qui dit, puisque j'ai mal, comme ça ne va pas, madame, je crois que je vais reprendre l'intervention pour vous mettre, ils disent, un ciment dans leur langage de la santé pour localiser et traiter les bactéries qui sont dans mon pied. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de rencontrer un autre traumatologue. Hier, je suis partie voir le traumatologue. Arrivé chez le traumatologue, il m'a envoyé faire la radio. J'ai fait la radio hier, où j'ai eu les résultats. Et les résultats, il interprète. Parce que tous ces jours-ci, vraiment, j'avais eu le stress depuis que le médecin, oui. Pardon? C'est depuis mardi. Alors hier, le traumatologue me dit, madame, ne vous inquiétez plus, la radio, les résultats de la radio sont bons. Amen. Et que votre mal va diminuer progressivement. Alors, yes, clap to the Lord. Je rends grâce à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur.
Gloire à Dieu. Je me nomme Rodrigue Elombo Daniel. Depuis que j'ai commencé la croisade, moi, j'ai remercié beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Moi, j'étais un fumeur. Je fumais tellement. Je fumais tout genre de drogue que les jeunes fument dehors actuellement. Mais depuis que j'ai commencé la croisade, le Seigneur Jésus a fait des merveilles pour moi. Je ne peux plus, je ne fume plus. Quand je comprends l'odeur de la fumée, ça me dérange. Ça ne passe plus sur moi. Je n'ai plus l'intention de fumer. Je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Merci. Merci, je remercie beaucoup le Seigneur. Beaucoup. Alléluia. Amen. God bless you. Let's get two more testimonies, whether you are a believer, whether you are a young convert or not, for healing or deliverance. What God has done in your life during this period. Just two people. Oui, on peut encore prendre deux autres témoignages de guérison, que tu sois jeune converti ou pas. Quelqu'un que le Seigneur a guéri ou délivré pendant cette croisade. One of the greatest miracles is the type of miracle that our brother has just said. L'un des plus grands miracles, c'est le genre de miracle dont a témoigné ce jeune homme. They gave me 3 months, my friends. Mes amis m'avaient donné 3 mois. They did not think that I can stop alcohol. Ils ne pensaient pas que je puisse arrêter l'alcool. They gave me 3 months. Ils m'ont donné 3 mois. That after 3 months I will come back. Qu'après 3 mois je vais revenir. But they are still waiting after 39 years. Mais ils attendent depuis 39 ans. I have not gone back. Je ne suis pas retourné. So that's the miracle of salvation. Donc c'est ça le miracle du salut. The miracle of the new birth. Le miracle de la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Amen. Je vais témoigner de ce que Dieu a fait, a délivré ma fille hier. Quand elle était à la maison, chaque fois elle me dit que « Maman, c'est comme si je vais me suicider. Quand je vois le camion, c'est comme si je vais entrer en bas du camion. Quand je suis même en haut de l'étage, c'est comme si je vais me jeter par terre. » Elle dit que ça veut dire quoi? Il faut juger l'esprit de mort. Chaque fois comme ça. Depuis la croisade, quand on vient là, elle a dit que quand le frère Boniface passe à côté de moi, là, je me sens, donc j'ai peur, donc c'est comme, je ne me sens pas bien. Alors hier, en quittant à la maison, elle avait les yeux coulaient les larmes, ses yeux étaient bien rouges. Ses yeux coulaient vraiment les larmes. C'est là où j'ai dit que non, reste, pendant qu'on va prier, tu seras guéri. Elle est là, elle a fermé les yeux. Au moment que le frère Boniface brisait les esprits des morts, quand il arrivait au niveau de nous là-bas, quand il brisait, il disait qu'au nom de Jésus, nous brisons les cercueils. La fille a sursauté, elle a sauté en haut. Elle est venue s'asseoir. J'ai dit que merde, princesse, c'est quoi comme ça là? Elle est restée, elle ne m'a pas parlé. Après on est sorti. Quand on est sorti en rentrant à la maison, j'ai vu le frère Jean-Marie, je lui ai expliqué, il a imposé les mains sur ses yeux. Ce matin, le Seigneur vraiment merveilleux. Ce matin, pendant que l'enfant partait à l'école, on comprenait la voix dehors. Mon mari me dit que tu comprends ce que la voisine dit à l'enfant. J'ai dit que bon, un peu, on est resté. Alors que l'enfant est parti à une distance, que ma voisine appelle l'enfant que viens, elle vient. Elle dit à l'enfant que, princesse, mais tu brilles déjà, ton cercueil est renversé. Et je dis que merde. C'est là où que l'enfant continue, elle n'est pas rentrée par derrière parce qu'elle partait à l'école, elle n'a pas dit à sa grand-sœur. Sa grand-sœur est venue me dire que tu as même compris ce que la princesse a dit. J'ai dit qu'en tout cas,
je n'ai pas su. Elle dit que voilà ce qui s'est passé. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, je vais interpeller la voisine. Elle la demande, elle dit que non, moi je n'ai pas dit les choses comme ça. Elle dit ok, comme tu n'as pas dit, j'attends l'enfant. L'enfant est rentré de l'école. J'ai dit, princesse, qu'est-ce que la femme là t'a dit? Elle a dit que waouh, je brille déjà, mon cercueil est renversé. Elle dit que tu as compris ce que l'enfant te dit. J'ai dit que la puissance là, c'est Dieu qui avait donné à Jésus. Et cette puissance là, Jésus nous a donné cela. Et j'ai ce pouvoir là. Elle a dit que les sorciers n'ont aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir. Oui. Jésus avait vaincu. Et ça, le cercueil était brisé. Je l'ai dit de face que, au nom de Jésus, le cercueil était renversé. Non, je frappe ça avec le marteau de Dieu. Amen. Donc, je l'aime croire à Dieu. Oui. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis dans la foi. J'étais à la CMC, mais un moment je suis quitté la CMC et j'étais ailleurs. Quand on m'a dit qu'il y a la croisade qui doit commencer ici là, j'attendais le moment-ci. Et là où j'étais, ma foi avait tari. Samedi, je suis arrivé ici le deuxième jour, samedi. Pendant qu'on prêche, on a prêché, on a demandé de venir devant. Ceux qui ont même rétrogradé, qu'ils viennent. Mais je sentais une voix qui me disait, mais tu es dans le Seigneur, est-ce que tu as rétrogradé? Mais je sentais en moi que ma foi a tari. Je ne voulais pas me lever. Je disais que, mais, j'ai à les frères ici, on dit que, mais, celle-ci-là, elle n'est pas encore devant faire quoi? Pourtant, elle a déjà reçu Jésus. Je me faisais qu'entendre une voix qui me disait, ne te lève pas, ne te lève pas. Mais j'ai pris le faux courage, je me suis levé et je suis venu devant. Je suis venu devant. Comme on nous a conduit au Seigneur, on a demandé d'aller derrière, nous sommes allés. Et quand nous sommes revenus, on a commencé à prier. On a dit qu'on devait prier les brisements des liens, les liens qui sont héréditaires dans la famille. Pendant qu'on priait, j'étais tellement en colère. Quoique j'étais enfant de Dieu, j'étais en colère. Avant qu'on ne commence à prier, il y a l'une de mes mamans, lui, que maman, je sens très mal là. Quand on a commencé à prier, j'ai prié. J'ai senti une douleur qui m'a quitté la poitrine. Amen. J'ai dit merci à Dieu. Parce que depuis, je me disais que c'est le mal d'assister, c'est l'estomac qui me dérangeait. Je prends n'importe quoi, rien. Je sens mal, je prends n'importe quoi. Je suis allé à l'hôpital même dernièrement, on m'a prescrit les remèdes. J'ai pris le résultat, je suis parti, je n'ai pas payé les remèdes. Je suis allé payer les remèdes à côté, mais jusqu'à là, rien. Mais samedi, j'ai senti la douleur m'a quitté depuis jusqu'à aujourd'hui. Je ne ressens plus rien. Amen, amen, alléluia. Acclamation pour Jésus. Let's clap, stand up and clap to the Lord. Levons-nous et acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Lift up your hand. Lève la main. And say, Lord, thank you because you are here. Et dis, Seigneur, merci parce que tu es ici. You are healing. Seigneur, tu guéris. You are serving. Tu es en train de sauver. Tu es en train de guérir. You are delivering. Tu es en train de délivrer. Say, Lord. Dis, Seigneur. What you have done in the life of others. Ce que tu as fait dans la vie des autres. Do it in my own life. Fais-le dans ma vie. Do it in my own life. Fais-le dans ma vie. Do it in my own Fais-le life. Dans ma vie. Lord, as you are touching others. Oh, Seigneur, pendant que tu touches les autres. Touch my life also. Touche également ma vie, Seigneur. You are going to put your hand on your head. Tu vas poser les mains sur la tête. And you are going to beg God. Et tu vas supplier Dieu. To accept you afresh. De t'accepter à nouveau. Reconsecrate yourself to the Lord. Tu te reconsacres Say, au Seigneur. Oh Lord, accept me afresh. Dis, oh Seigneur, accepte-moi à nouveau. I beg you to accept me afresh. Je te supplie, accepte-moi à nouveau, Seigneur. Accept me afresh. Oh Seigneur, accepte-moi à nouveau. I beg you, oh God, accept me. Je te supplie, oh Seigneur, accepte-moi à nouveau. I surrender afresh to you. Je me soumets à toi, je m'abandonne à toi à nouveau. I surrender my life afresh to you. Je m'abandonne à toi à nouveau. Surrender my life afresh Je to you. Je t'abandonne ma vie d'une nouvelle manière.
Say, Lord. Dis, Seigneur. Thank you. Merci. Because my body. Parce que mon corps. Is your temple. Est ton temple. Is your temple. C'est ton temple. My body. Mon corps. Is your temple. Est ton temple. Say, oh God. Dis, oh Dieu. Anything in me. Que toute chose en moi. That has not been planted by you. Qui n'a pas été planté par toi. I uproot them now. Je le déracine maintenant. Everything in my life. Toute chose dans ma vie. Not planted by you. Qui n'a pas été planté par toi. I uproot them now. Je déracine cela maintenant. Listen to what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. It says that our body are the temple of the living God. La Bible dit que nos corps sont le temple du Dieu vivant. Anything that defile that temple. Et que toute chose qui souille ce temple. God shall destroy. Dieu détruira cela. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus-Christ. Everything. Toute chose. In me. En moi. Defiling the temple of God. Qui souille le temple de Dieu. I uproot them. Je déracine I cela. Destroy them. Je détruis cela. I uproot them. Je déracine cela. You are going to pray with jealousy. Tu vas prier avec jalousie. Because your body, parce que ton corps, is a temple of the living God. C'est le temple du Dieu vivant. Anything in you, toute chose en toi, that is not of God, qui n'est pas de Dieu, is defiling the temple of God. Est en train de souiller le temple de Dieu. That's the first topic of prayer we are praying. C'est le premier sujet de prière que nous allons lever. Pray with all your heart. Prie cela de tout ton cœur. In the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Everything, everything in me, everything in me that is not of you, qui n'est pas de Dieu, that is defiling your temple, et qui défie, qui souille ton them now. Je déracine cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Go ahead and pray. Vas-y et prie. Pray, pray for yourself. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Everything. Toutes choses. Everything. Toutes choses. In me. Moi. That is not of God. Qui n'est pas de Dieu. Not of God. Qui n'est pas de Dieu. I uproot them. Je déracine cela. I destroy them. Je détruis cela. I destroy them. Je déracine cela. I destroy them. Je détruis cela. Je déracine cela. Je détruis cela. Pray, pray. Pray for yourself. Je détruis cela. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Whatever tree, toute plante. Whatever tree, toute plante. My father has not planted. Que mon père a planté. Shall be uprooted. Que mon père n'a pas planté. Sera whatever in you, toute chose en toi, is not planted by God. Qui n'a pas été planté par Dieu. Uproot them. Déracine cela. Shall be uprooted. Détruis cela. Shall be uprooted. Sera déraciné. Shall be uprooted. Sera déraciné. Sera déraciné. And in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Everything. Toute chose. Not planted by God. Qui n'a pas été planté we par uproot Dieu. Them. Que cela soit we déraciné. Uproot them. Soit déraciné. We uproot them. Soit déraciné. We uproot them. Soit déraciné. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. In tongues. Prie en langue. Prie en langue. Prie there en are things in you. Il y a des choses en toi. That have not been planted by God. Qui n'ont pas été plantées par Dieu. You don't know them. Tu ne les connais pas. But they are there. Mais elles sont là. Pray in tongues. Prie en langue. Shatter them. Détruis cela. Destroy them. Détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Prie en langue et détruis cela. Pray, 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 pray. Prie en langue. Don't be passive. Ne sois pas passif. Don't be passive. Ne sois pas passif. Demons. Démons are not planted non, by God. Les démons ne sont pas sicknesses les maladies are not planted ne sont by pas God. Plantés par Dieu. Curses les maladies are not planted ne by sont God. Pas plantés par Dieu. Sin le péché have not been planted by God. Pas été planté par Dieu. Pray and uproot, pray, pray. Don't be passive, don't be passive, don't be passive. Déracine, 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 ne sois pas passive, ne sois pas passive. Déracine, déracine, déracine. Déracine, détruis, déracine, détruis, déracine, détruis. Yeah, uproot and destroy. Déracine, détruis. Uproot and destroy. Déracine, détruis. Uproot and destroy. Déracine, détruis. Uproot and destroy. Uproot the work of Satan. Déracine, détruis les œuvres du diable. Déracine, détruis les œuvres du diable. For this reason. Pour cette raison, was the Son of Man manifest, le Fils de Dieu apparu, that he would destroy the works of the devil. Détruire les œuvres du diable. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Every work of the devil in my life. Toute œuvre du diable dans ma vie. Every work of the devil in my life. Toute œuvre du diable dans ma vie. Every work of the devil in my life. Toute œuvre du diable dans ma vie. I destroy them now. Détruis cela maintenant. 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 Pray, 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 pray. If you feel pain, pray. If you feel pain, si tu ressens des douleurs, in any part of your body, dans quelque as part you are praying,
extrémité, si tu ressens la douleur dans une partie de ton corps, normalité, mets ta main là-bas et dépose cela. As you pray, si tu put your hand where it is, si tu and uproot it. Si tu ressens l'anomalie de ton corps, mets ta main là-bas et dépose cela. Every work of Satan, every work of Satan, in the name of Jesus, au nom de Jésus, we uproot them. Nous la déracinons. All that have not been planted by the Lord, all that have not been planted by the Lord, we uproot them. Nous déracinons. We uproot them. 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 Nous déracinons. Tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste. Pray for yourself. Pray for yourself. Prie pour toi-même, prie pour toi. Your body is the temple of the living God. Ton corps est le temple du Dieu vivant. Your body is the temple of the living God. Ton corps est le temple du Dieu vivant. Everything there. Toutes choses. That is not planted by God. Qui n'a pas été planté par Dieu. Has defiled the temple of God. Has defiled the temple of the living God. Sicknesses. Les maladies. Defiled the temple of God. Souille le temple de Dieu. Les démons défilent le temple de Dieu. Rokosi karamamamababa. Yes, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. All that defile the temple of God. Tous qui souillent le temple de Dieu. We uproot you. Nous déracinons cela. We uproot you. Nous déracinons cela. We uproot you. Nous déracinons. We uproot you. Nous déracinons. We uproot you. Nous déracinons. Orokobakageda kabaka. Pray in the spirit. 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 Pray for yourself. Pray pour toi-même. Orokobakageda kabaka. Yeah, we uproot you. 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 Yes, all that have not been planted by God. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu. We uproot you now. We uproot you. 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 And in the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, all that came in, tout ce qui est entré dans ta vie, ancestral ties, par les liens ancestraux, and through ancestral ties, au travers des liens ancestraux, in the name of Jesus, au nom de Jésus, we uproot you. Déracinons cela. Pray now. And uproot everything that came through your ancestral background. Everything that came to your ancestral background. Uproot them now. Déracine cela maintenant. Uproot them. Déracine. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every ancestral bondage. Every ancestral bondage. We uproot you in the name of Jesus. We uproot you in the name of Jesus. We uproot you in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. We uproot you in the name of Jesus. Yes, we uproot you in the name of Jesus. We uproot you in the name of Jesus. Nous te déracinons au nom de Jésus. Nous te déracinons au nom de Jésus. Nous te déracinons au nom de Jésus. Everything that came in through your ancestors, through your ancestors, we uproot them now in the name of Jesus. Maintenant au nom de Jésus. Pray. Toutes choses. Pray. Par les liens ancestraux. Soit déracinés. Ancestral bondages. Les liens ancestraux. We break them in the name of Jesus. Les liens
ancestraux, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. We uproot them in the name of Jesus. Les brisons au nom de Jésus-Christ. We uproot them in the name of Jesus. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous les déracinons au nom de Jésus. Nous les déracinons au nom de Jésus. Pray for yourself. Pray. Prie pour toi-même. Ne sois pas passif. Prie. Gorokobaka gede kabaka. Rokota kabaka sheka rakakobaka. Rida kabaka sheka rakakobaka. Gorokobaka gorokobaka sheka rakakobaka. Rida kabaka sheka rakakobaka. Ria kabaka soko rika rakakobaka. Gorokobaka sheka rakakobaka. Rika kabaka soko rika rakakobaka. Rakata kabaka sheka rakakobaka. Rida kabaka sheka rakakobaka. Let's maintain some calm. Kabaka sheka. Faisons silence. Faisons silence. Faisons silence. We shall continue to stand. It is warfare. C'est la guerre. Nous allons rester debout. It's warfare. Nous allons rester debout. C'est la guerre. It's warfare. C'est le combat. C'est le combat. As they were praying. Pendant qu'ils priaient. As we were praying. Pendant que nous prions. As we pray. Pendant que nous prions. Maybe certain you suddenly felt pain on your body. Peut-être tu as ressenti des douleurs. Or you felt some movement on your body. Ou tu as ressenti des mouvements dans ton corps. Or you felt about to vomit. Ou tu as eu envie de vomir. Or about to run away. Ou tu as voulu courir. Put up your hand. Lève la main. Si tu as ressenti de telles choses. Put your hand. Lève la main. You feel as if you should vomit. Tu as ressenti, tu as eu envie de vomir. As if you should vomit. Ou tu as eu envie de vomir. As if you should just run out. Ou tu as eu envie de sortir. Or sudden pain. Ou alors tu as ressenti des douleurs. Put up your hand very well. Immédiate. Lève la main. Lève la main si tu as eu de telles sensations. Those are demons. Ça, ce sont des démons. Those are demons. Ce sont des démons qui sortent. Yes. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus Christ. We command those demons. Nous commandons à ces démons. To leave now. Sortez. We command those demons. Nous commandons à ces démons. To leave now. Sortez. Let's pray for them. Pray. Tout le monde, prions. Prions. In the name of Jesus. We free you. Nous vous libérons. Demons, leave. Sortez maintenant au nom de Jésus. Démons, sortez maintenant au nom de Jésus. Leave now. Sortez au nom de Jésus Christ. Sortez maintenant au nom de Jésus Christ. Libérez les corps au nom de Jésus Christ. Libérez 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 au nom de Jésus Christ. Ancestral spirit. Esprit ancestral spirit. Esprit ancestral. Ancestral spirit. Ancestral spirit. Ancestral spirit. Leave now. Sortez. Au nom de Jésus Christ. Sortez. Leave now. Sortez. Yes, in the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus Christ. We take you captive. Nous vous lions. And we break your resistance. Et nous brisons votre résistance. Yes, we break your resistance. Nous brisons votre résistance. We break your resistance. Nous brisons votre résistance. Where you are hiding. Là où vous we break your resistance. Nous brisons votre résistance. Leave. Sortez. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus Christ. All dedication. Toute dédicace. All dedication. Toute dédicace. That were made. Qui a été faite. Over your life. Sur ta vie. By your ancestors. Par tes ancêtres. By your ancestors. Par tes ancêtres. To many generations back. À plusieurs générations. We break them now in the name of Jesus. Nous brisons cela. Say
in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus. Put your hand again on your head. Pose la main sur la tête. And say in the name of Jesus. Et dis au nom de Jésus Christ. I renounce. Je renonce. Every dedication. Toute dédicace. Where I was dedicated. Dans laquelle j'ai été dédié. To the enemy. À l'ennemi. I cancel it now. J'annule cela maintenant. 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 And every demon. Et tout démon. That came in. Qui est entré en moi. Because of the dedication. À cause de cette dédicace. I command you to leave. Je te commande. Pray for yourself. Yes, in the name of Jesus. Every dedication, every demon that came in because of the dedication, out now. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. We give you no rest. Nous ne te tourmentons. Please, there are many demons like that. Point de paix, point de paix. There are many demons like that. Il y a plusieurs démons. Don't give them rest in your body. Ne leur donnez pas de repos. Yes, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. We free you. Nous te libérons. We free you. Nous te libérons. From demons. Des démons. That came in. Qui sont entrés. When you were dedicated. Lorsque tu étais dédié. Live now. Sors maintenant. 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 Oro kobaka gede kabaka sheka daka kobaka. Sanke de mahori bibi. Rika kabaka era kabaka sheka daka kobaka. Shende kada kada. Rika kabaka joko di kada kobaka. Yes sheka daba mahori bibi. Era kabaka era kabaka era kabaka era kabaka. Eka kabaka seka daka kobaka sheka daka kobaka. Iko to. The Lord is working. Le Seigneur est en train de travailler. Let's maintain some silence. The Lord is working. Le Seigneur travaille. The Lord is working. Le Seigneur travaille. He is working. Le Seigneur est en train de travailler. He is working. Il est en train de travailler. Rokusikara bakasheka. The Lord is working. Le Seigneur est en train de travailler. He is freeing people. Il est en train de libérer les gens. Somebody need to help that young man. The Lord is at work. Le Seigneur est en train de travailler. He is freeing people. Il est en train de libérer des gens. Put your hand again on your head. Pose encore la main sur la tête. There are demons. Il y a des démons. That came into people qui sont entrés dans les gens because of the names they received when they were born. À cause des noms qu'on leur a donné quand ils sont nés. Or because of the person who named them. Ou à cause de la personne qui les a nommés. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. Every demon. Que tout démon. Every demon. Tout démon. That came into me. Qui est entré dans ma vie. Because of my name. À cause de mon nom. Because of my name. À cause de mon nom. Or because of the person who named ou me. À cause de la personne qui m'a nommé. I break your power over my life je now. Je brise ta puissance sur ma vie maintenant. I break your power je over my life. Je brise ta now. Puissance sur ma vie maintenant. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. In the name of Jesus. Every demon. Au nom de Jésus. Every demon. Que tout démon. That came in. Que tout démon qui because est entré of the name. Dans la vie de qui because que ce soit. À cause de in nom. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Live. Sortez. Pray for yourself. Sortez. Yes. Sortez. Yes. Pray. Pray for yourself. Pray for toi-même. You have carried your name. Tu as porté ce nom. All your life. Toute ta vie. And that has been a spirit. Et maintenant par l'esprit. Blocking you. Pray for yourself. C'est un
esprit qui te bloque. Yes, libère-toi, prie pour toi-même. Demon. Prie pour toi-même et libère-toi. Command you to leave. Prie pour toi-même et libère-toi. Yes, leave now. Commande au démon de partir yes, maintenant. In the name of Jesus. Nous brisons ta puissance. We break your power. Nous brisons ta puissance. Leave now in the name of Jesus. Sors maintenant au nom de Jésus. Leave now in the name of Jesus. Sors maintenant au nom de Jésus. Pray for yourself. The Lord will free you. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus-Christ. I renounce the spirit behind his name. Je renonce à l'esprit derrière ce nom. I renounce the spirit behind his name. Je renonce à l'esprit derrière ce nom. And I command the spirit. Et je commande à ces esprits. That came. Qui sont venus. Because of this name. À cause de ce nom. To dans to ma vie. Live now. To sortez live now. Maintenant. To live now. To sortez live maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Pray. There are still demons. There are still wicked spirits because of the name. Il y a des mauvais esprits qui vont sortir. Don't give them chance in your life. Ne les laissez pas. That's what I've been blocking your life. Ne les laisse pas continuer à bloquer ta vie. Lord, move in your power. Seigneur, agis en puissance. Seigneur, agis en puissance. Seigneur, agis en puissance. Yes, live. Et qu'il va live now. Demon, partez. Demon, partez. Demon, partez. Oro kobaka gede kabaka godo kobaka gede kabaka shikara kabaka. Oro kobaka gede kabaka shikara kabaka gede kabaka shikara kabaka. Let's just be quiet. Faisons silence. Faisons silence. We are going to pray for a very serious thing now. Nous allons prier pour quelque chose de très sérieux maintenant. I want you to be serious. Et je veux que tu sois sérieux. There are demons that came in. Il y a des démons qui entrent dans ta vie. Through your husband. Au travers de ton mari. Or through your wife. Ou au travers de ton épouse. Sexual union. L'union sexuelle. Make two people to become one. Fait de deux personnes une. There are demons that came in your life. Il y a des démons entrés dans ta vie. Through your husband. Au travers de ton mari. Or through your wife. Au travers de ton épouse. Or demons that came into your life. Ou des démons qui sont entrés dans ta vie. Because of immorality. À cause des péchés sexuels. The Bible que says. Tu as commis. La Bible dit. When you sleep with a prostitute. Que quand tu couches avec une prostituée. The two of you become one. Vous deux, vous devenez un. We are going to stand up. Nous allons nous mettre debout. And you are going to command. Et tu vas commander. Every demon. À tout démon that came into your life, qui est entré dans ta vie, either through your marital partner, soit au travers de ton conjoint, or through anybody, ou alors au travers de toute personne avec qui tu as couché, you ever had sexual contact with, toute personne avec qui tu as couché. But remember, mais souviens-toi, if you have not yet repent, if it was sin, repent first. Si c'était le péché que tu as commis, repens-toi premièrement. Put your hand on your head. Pose ta main sur la tête. And you are going to pray. Et tu vas prier. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus-Christ. Every demon. Tout démon. That came in. Qui a entré through my husband. Au travers de mon mari. Or through my wife. Au travers de mon épouse. Or through any sexual contact. Au travers d'une quelconque relation sexuelle que j'ai eue. I have ever had. Que j'ai eue. In the name of Jesus. Au nom du Seigneur. I renounce them. Je les renonce. And I command them to leave now. Et je commande à ces démons, va-t'en.
any demon, tout démon, any demon, tout démon that came into me, qui entrait dans ma vie, because à cause I saw, j'ai vu parce the que nakedness of somebody, j'ai vu la nudité de quelqu'un, the nakedness of somebody, la nudité de quelqu'un, and I was bewitched, et j'ai été ensorcelé, and I was bewitched, j'ai été ensorcelé, and I was bewitched through the nakedness, au travers de la nudité, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I command you, démon, to je te leave commande. Now, now, so, 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 maintenant, so, so, maintenant, so, 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 pray for yourself. So, pray for yourself. So, pray for yourself. So, pray for yourself. So, 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 pray for toi-même, pray for toi-même, pray for toi-même. It's a serious issue. C'est une question sérieuse. Pray in tongues. Prie en langue. 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 That is the reason. C'est ça la raison. Why some of you? Pourquoi certains got married? Ne se marient pas. And things collapse in your life. Et les choses s'écroulent dans votre foyer. Pray, pray for yourself. Priez, priez, priez. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Yes, demon. Live now in the name of Jesus. Demon, sort. Live now in the name of Jesus. Sort maintenant au nom de Jésus. Live now in the name of Jesus. Sort maintenant au nom de Jésus. 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 Pray, 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 pray. Prie, 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 prie. There are demons here. Il y a des démons. There are keeping people in captivity because of sexual contact. À cause des rapports sexuels. Sexual contact. Les rapports sexuels. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We free you. Nous te libérons. Pray for yourself. Prie pour toi. That's why your life is blocked. Prie, prie, prie. That's why your life is blocked. Loose in the name of Jesus. Libère. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Pray for yourself. Prie pour toi-même. Break his power over your life. Brise la puissance des démons. Break the power over your life. Brise la puissance des démons sur ta vie. Break the power over your life. Brise la puissance des démons sur ta vie. Break the power over your life. Brise la puissance des démons sur ta vie. Chantare ba 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 ba. Libérons ton foyer au nom de Jésus. We free. Sois libre. We free you in the name of Jesus. Libéré au nom de Jésus. We free you in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. We free you in the name of Jesus. Sois libéré au nom de Jésus. Rodokobaka, 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 shekaraka kobaka, rodokobaka, shekaraka kobaka, rodokobaka, joko de kadaka kobaka. Whatever tree have not been planted by God. Toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu. We uproot them. Nous la déracinons. We uproot them. Que toute plante qui n'a pas été plantée par notre Père céleste soit déracinée. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. All that came in. Toute chose qui est entrée. Through your married partner. Dans ta vie au travers de ton conjoint. Through your married partner. Au travers de ton conjoint. That have blocked your life. Et qui a bloqué ta vie. So that after marriage. En sorte qu'après le mariage. You started collapsing spiritually. Les choses ont commencé. Tu as commencé à s'écrouler spirituellement. Things started collapsing. Les choses ont commencé à s'écrouler dans ta vie. We free you today. Nous te libérons ce soir. Who is noticing abnormality in your body as we pray now? Qui a remarqué qu'il y a des choses bizarres sur son corps pendant que nous prions? Qui a des sensations bizarres pendant que nous prions? Lève la main. As we are praying now. Pendant qu'on priait, tu as ressenti des choses bizarres. Maintenant là, pendant qu'on priait, tu as ressenti des choses bizarres dans ton corps. We don't want you to go back with it. On veut pas que tu rentres avec cela. Put up your hand very well. Lève la main. Lève bien la main. Please, that's the last thing we want to pray for. C'est la dernière chose pour laquelle nous voulons prier, s'il vous plaît. Those are wicked spirits. Ça, ce sont des esprits impurs, Queen. Des esprits méchants qui s'en vont. Let's pray. Prions. Let's pray and free them. Prions et libérons. Pray.
Libère-toi-même et libère-toi. Au nom de Jésus. We free you. Au nom de Jésus, nous te libérons. Wicked spirit. Nous te libérons de ces mauvais esprits. We free you. Nous te libérons. 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 Let's pray the spirit. Prions en langue. Pray, 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 pray. In the name of Jesus, we free you. Au nom de Jésus, nous te libérons. We free you. Nous te libérons. We free you. Nous te libérons. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons. We free you in the name of Jesus. Nous te libérons au nom de Jésus. Yes, in the name of Jesus, we set you free. Nous te libérons. We set you free. Nous te libérons. This one. In the name of Jesus, au nom de Jésus Christ, we set you free. Nous te libérons. In the name of Jesus, au nom du Seigneur Jésus Christ, we set you free. Nous te libérons. Continue to pray for yourself. You cannot go out with those abnormalities. In the name of Jesus, we free you. Au nom de Jésus Christ, nous te libérons. We free you from the hand of the enemy. We free you from the hand of the enemy. In the name of Jesus, au nom du Seigneur Jésus, we command those demons to leave. Nous commandons à ces démons, sortez, sortez. In the name of Jesus, sortez, sortez maintenant. Godokobaka, jekaraka kobaka. Gorokobaka here kabaka gorokobaka sheka nakakobaka gorokobaka gorokobaka gede kabaka sheka nakakobaka gorokobaka gorokobaka. No, brethren, we cannot leave our brethren to go by our abnormality. Let's pray in tongues, pray in tongues. Tous ensemble, prions pour nos frères qui sont debout. Prions. Yes, in the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. We uproot you, wicked spirit. Nous te déracinons, esprit impur. We uproot you. Nous te déracinons. We uproot you. Nous te déracinons. Lord, by the anointing in the name of Jesus, par l'onction sur le Seigneur Jésus Christ, we uproot. We uproot. Nous déracinons. We uproot. Nous déracinons. What is still staying behind? Tout ce qui what the enemy is still keeping behind. Tout ce que l'ennemi garde encore dans les vies. And we free your children. Et nous libérons tes enfants, Seigneur. We free your children. Nous libérons tes enfants, Seigneur. We free your children. Nous libérons tes enfants, Seigneur. We free your children. Nous libérons tes enfants. We free your children. Nous libérons tes enfants. We free your children. Nous libérons tes enfants. And in the name of Jesus, et au nom du Seigneur Jésus Christ, anyone who got married, toute personne qui s'est mariée, who got married, toute personne qui s'est mariée, and the husband, et le mari, or the wife, ou son épouse, took his name, a pris son nom, to which doctors, je les amené son nom chez les marabouts, and tied them there, et l'a lié là-bas. We free you today. Nous te libérons ce soir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. We free you today. Nous te libérons ce soir. Be free now in the name of Jesus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Rukusi karamama husheke yalaka. Raka mama huria baba 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 huria la kasinde ripka. Yeshika mama huria in the name of Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Any wicked spirit that is still resisting. Tout esprit impur qui résiste encore. We destroy your work. Nous te détruisons au nom de Jésus. Makuria la baba 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 huria la kasinde ripka.
And in the name of Jesus. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Every wicked spirit. Tout esprit méchant. That came in. Qui est entré dans ta vie. In any woman here. Dans toute femme ici. When she was delivering. Au moment où elle accouchait. And as blood was coming out, pendant que son sang coulait, people made covenant with your blood. Et les gens ont fait des alliances avec son sang. With your blood. Les gens ont fait des alliances avec free son you sang. In the name nous of Jesus. Délibérons au nom de Jésus-Christ. Yes, 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 we free. Je libre. We free you in the name nous of Jesus. Nous délibérons au nom de Jésus. Yes, we free you. Nous délibérons au nom de Jésus. Where your blood was taken, là où ton sang avait été pris, and a covenant was entered into, et une alliance a été faite avec ce sang. We break the covenant. Nous brisons cette alliance. We free you in the name of Jesus. Nous délibérons au nom de Jésus. And any girl here, et toute jeune fille ici, whose blood, dont le sang, was used, a été utilisé, for witchcraft, pour la sorcellerie, for a covenant, pour une alliance, when she started having her period, lorsqu'elle a commencé à avoir when she started having her period, lorsqu'elle a commencé à and avoir her life had been blocked, et sa vie and her life had been blocked, et sa vie we indiqué. Break that power over your life. Nous brisons cette puissance sur ta vie. We break that power over your life. Nous brisons cette puissance sur ta vie. Yes. Every young girl, every girl here, toute jeune fille, every girl here, toute jeune fille ici, whose life had been blocked, dont la vie a été bloquée, because of your blood, à cause de ses menstrues, was used, du sang qui a été, du sang de ses menstrues qui a été utilisé pour une alliance, for a covenant, pour une alliance, for a covenant, pour une alliance, and it had blocked your marriage, et ça a bloqué ton mariage, blocked you from getting married, ça a bloqué t'empêchant de marier. In the name of Jesus, au nom du Seigneur Jésus, we set you free, nous te libérons. That's the last thing we want to pray for. Everybody put every girl. Tout le monde posez, toutes les jeunes filles. Put your hand. Toute femme, posez les mains sur la tête. The Lord is just showing me. Le Seigneur est en train de me montrer. That there are people. Qu'il y a des personnes. There are women. Il y a des femmes. When you had your first period. Lorsqu'elles ont eu leur commencé à avoir leur menstrué. The blood was used for a covenant. Leur sang a été utilisé pour des alliances. Say in the name of Jesus. Dis au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. Every covenant. Toute alliance, every covenant, toute alliance, every covenant, toute alliance, that was entered into, dans laquelle je suis entré, with my blood, dans laquelle je suis entré avec mon sang, with my blood, par mon sang, when I started, quand j'ai commencé, my period, avoir mes menstrues, I break the covenant, je brise cette alliance, je brise cette alliance, je brise cette alliance, I break the covenant, I break the covenant, je brise cette alliance, and the spirit, et l'esprit, that came into me, qui est entré en moi, because of that covenant, à cause de cette alliance, I command you to leave, sors maintenant. Pray for yourself. Pray for toi-même. Okay. There are people. In the name of Jesus, we free you now. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you now. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you now. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you now. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you now. Nous te libérons au nom de Jésus. We free you now. Nous libérons ta vie au nom de Jésus. Nous libérons ta vie au nom de Jésus. Yes, there are girls. Oui, il y a des filles. There are girls. Oui, il y en a. Whose life have been blocked. Des filles dont les vies ont été bloquées. Right from the first time they started having their period. Depuis le moment où ils ont commencé à avoir leur in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. We set you free today. Nous te libérons ce soir. We set you free. Nous te libérons ce soir. We set you free. Nous te libérons ce soir. We set you free. Nous te libérons. We set you free. Nous te libérons. We set you free. Nous te libérons. And in the name of Jesus. Et au nom de Jésus-Christ. Whatever your blood was used for. Quel que soit ce pourquoi on a utilisé ton sang. We cancel it. Nous annulons we cela. Cancel it. Nous annulons we cancel cela. It. Nous annulons we cancel cela. It. Nous annulons cela. We cancel it. Nous annulons cela. We cancel it. Nous annulons cela.
And for those of you, et pour ceux d'entre vous who cannot get married, qui ne pouvaient pas vous marier because of that covenant, à cause de ces alliances, we release you today. Nous vous libérons we ce release soir. You today. Nous vous libérons we ce release soir. You today. Nous vous libérons we ce release soir. You today. Nous vous libérons we ce soir. Release you today. Nous vous libérons ce soir. And those of you, et ceux d'entre vous who cannot have children, qui ne pouvez pas avoir des enfants, or you have children, mais vous avez des enfants, and they die, et ils meurent, ou vous avez des enfants et ils meurent, because of that covenant, à cause de ces alliances, we set you free today. Nous vous libérons ce soir. If as we were praying, si pendant que nous prions, you are feeling abnormality in your body, tu as ressenti des choses anormales dans ton corps, put up your hand, lève la main. This topic, as we pray, oui, pendant qu'on priait, we don't want you to live here with on ne veut pas que tu partes d'ici avec ces lieux. Lève la main. Put up your hand very well. Lève bien haut la main. Or stand. Ou alors mets-toi debout. We want to pray to free on va you prier pour vous libérer avant de partir. Put your hand on your head. Pose la main sur la tête. Put your hand on your head. Pose la main sur la tête. The spirit of the Lord is upon me, says the Lord. L'esprit de l'Éternel est sur moi, dit l'Éternel. For he has anointed me, car il m'a oué, to set the captive free. Pour libérer les captifs. We set you free. Nous te libérons. Be free now. Sois libre maintenant. And in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, we command those demons. Nous commandons à ces démons to leave. Partez maintenant. To leave. Sortez maintenant. To leave. Sortez. To leave. Sortez. And we cover you with the blood of et Jesus. Et nous vous couvrons avec le sang de Jésus. We cover you with the blood nous of Jesus. Nous vous couvrons avec le sang de Jésus. We cover you with the blood of Jesus. Nous vous couvrons avec le sang de Jésus. And we restore your life. Et nous restaurons ta we vie. We restore your life. Nous restaurons ta vie. We restore your life. Nous restaurons ta vie. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Everybody lift your hand and say thank you Lord. Tout le monde lève la main et dit merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus vint à Paris.